bien sûr, je sais que vous m'aimez, mais bien entendu. Bon, bonjour. Et bonjour. Bon, je suis en retard, mais j'étais parti chier. Alors, il est 15h02 actuellement, et on vient de commencer le live donc sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch de Seb, qui, exactement. Voilà, il est derrière moi, il sera avec nous, Seb d'ailleurs. Exactement. Et vous le voyez au fond, c'est le live spécial 10 ans, et exactement. Spécial 1000 abonnés aussi. Une claque d'exactement comme un connard. Bon, et bah écoutez, encore, il est 3, et on se dit 15h05. 15h05, bim. Ok ? Ça marche ? Pour le live spécial 10 ans. Donc bah encore deux petites minutes. Je voulais vous mettre là le temps restant en dessous là, mais je peux pas parce que mon système est foiré. Voilà. En dessous du live spécial 10 ans, je voulais vous mettre le temps qui reste avant le début du live. Et mon système est foiré. Donc bon bah c'est pas grave. On va faire 100. Rendez-vous à 15h05 pour le début du live officiel. Lol. Allez, bougez pas, à de suite. À tout de suite. Merci. Au revoir. Exactement. Welcome to the point, c'est Zouaret, motherfucker. Putain, j'ai mal à la tête avec la lumière, vieux. Il y a 10 ans, j'avais mon tout premier ordinateur. Et il y a 10 ans, j'ai découvert YouTube. Ah bah, fatale erreur, hein. Ouais. En découvrant YouTube, j'ai découvert les vidéastes et leur passion. Et ça m'a donné moi aussi envie de faire des vidéos. Alors on s'est lancé avec Seb. J'ai créé une chaîne, mais il me fallait un nom de chaîne. J'ai pas été plus inspiré que... mon PC, la marque Asus. Et bonjour à tous, c'est Asus 165. D'ailleurs, je crois qu'on me voit dans le reflet. Asus 165, mais j'étais jeune, très jeune. C'est Asus 165, aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer un petit thème sympa que j'ai installé sur Windows 7. C'est un thème vraiment Mac. Moi, j'ai envie de lui foutre une claque dans sa tête. Enfin bon. Aujourd'hui, en fait, faites pas gaffe, j'ai encore un rhume. Je suis encore chopé là. Désolé. Aujourd'hui, Seb et moi, on va avoir 23 ans. La chaîne, elle a changé de nom. Je suis tout seul. Et aujourd'hui, eh ben, en fait, les 10 ans. Elle commence à avoir de l'acné quand même, hein, la chaîne. Hein. De l'acné. Non ? Tu valides la blague sur l'acné ou... Non. Ouais, non, non, non. Oh, j'ai peut-être envoyé un peu trop tôt l'image. Bon, au pire, c'est pas grave. Bah, c'est le nouveau générique, hein. Je suis pas encore habitué. Hein. Il va y avoir une période de rodage. Hein. Donc voilà. 1, 2, 3. Bonjour. Quel abruti. Salut tout le monde, salut Artfac, salut Adam. Ils sont déjà tous là. Attends, fais gaffe, attends.
Attends, oh putain, oh je vais me faire, oh là là, oh putain, non, ouais, attends, oh là là, oh, putain, je vais décéder. Bah écoutez, bonjour. Pas habitué. Ouais. Je viens de démarrer dans le YouTube game. Bonjour à tous, et puis bienvenue, bordel de merde. On est le 28 mars 2021. On est dimanche 28 mars 2021, il est 15h08. Alors je suis en retard, parce que j'étais parti chier, c'est ce que je disais dans le... C'est vrai, c'est la nature. C'est vrai que tout le monde s'en branle, mais c'est ça. Changé. Alors, on est en direct ici, donc sur la chaîne YouTube. Voilà, sur la chaîne Cérémy, qui donc fête ses 10 ans. Enfin, elle a pas tout le temps été sous ce nom-là, vous comprendrez ça. Je vais vous raconter l'histoire un peu après. Et puis, salut, je regarde ton live avec le Covid anglais. Waouh! Ah! Ok, j'espère que ça va. J'espère que c'est juste genre t'es chez toi, il faut que t'attends 7 ou 15 jours pour que ça passe. Ok, et ben on démarre bien. Voilà, fin du live. Non, on regarde pas un ennemi en soi, non. Alors, je suis avec du coup Seb, qui est juste là, vas-y, tire une tête. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. On va faire du coup le live à deux cette fois-ci, puisque on va parler des 10 ans de la chaîne. Voilà, c'est tout. Ouais, peut-être que je me mette là-bas, non? Hein? Là-bas, non? Ah! Je vais remettre un peu de musique en fond, si tu veux bien. Tac. Ouais, il faudra du coup que t'ailles là, oui, sur le côté. Mais d'abord, je vais aller boire un café. J'ai rien eu à part le nez, bah ça va. Tu t'en sors bien, Louis, franchement. Donc, on est en live sur ma chaîne et aussi sur la chaîne Twitch de Seb. Je vais vous mettre tout ça dans les commentaires du live. Je vais retrouver la chaîne Twitch, j'espère. C'est un grand moment, c'est un très grand moment là, ce qui est en train de se passer là. C'est twitch.tv/. T'as quelque chose, c'est un officiel. C'est un très grand moment, mais c'est toujours du bricolage, tu vois, c'est artisanal. La légende raconte actuellement. Hop là. La légende raconte actuellement, il y a une oreille qui est en train de se barrer. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de gueuler là, juste à côté de son oreille. Alors, attendez, deux secondes, je suis en train de vous retrouver. Non, pas là. Voilà, ici. Tac, tac, tac. Je viens de vous mettre en commentaire le lien de la chaîne Twitch de Seb. Si vous voulez aussi aller voir le live sur Twitch, pour ceux qui préfèrent. Et pour les autres, vous pouvez rester sur la chaîne YouTube. Je vais faire plus d'audience que toi, c'est sûr. Pour l'instant, tu me bats, mais tu verras dans pas longtemps. Et je vais aussi, du coup, vous mettre le lien de Bibi dans les commentaires aussi. Deux minutes. Donnez-moi 2 minutes. Hop. Ah, mais il faut faire copier-coller, c'est long, hein. C'est comme ça. Voilà, le lien YouTube, c'est le lien de ma chaîne. Voilà. Et ben, les gars, ça fait 10 ans. Bordel. Il y a 10 ans, on avait créé le compte Google. Pourquoi il n'est pas posté sur... Des fois, ça arrive. Internal Error. Okay. Recommence, refais une copie, et des fois, ça arrive, il y a des erreurs. Ah, voilà. Donc le premier, je peux peut-être le supprimer? Non, du tout. Bon, laisse-le. Ok. Je vais lâcher une YouTube de Rémi pour tenter de gagner la PS5. Oui, alors non, en fait, ça, il n'y a rien de prévu pour l'instant. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de PS5 de prévu, de truc de quoi, machin. Ah, de dire, c'est un très grand moment où je me fais chier dessus. Je me fais chier dessus. C'est que ce bordel. Bon, bref. Alors, bah du coup, bienvenue tout le monde. On va fêter les 10 ans de la chaîne. On va aller revoir des anciennes vidéos. C'est surtout ça, le délire. Il n'y aura pas de feu d'artifice parce que tu comprends bien que dans une pièce, j'ai pas envie de foutre le feu. Même dehors, bon, voilà. Je suis toujours avec ma vaillante imprimante ici qui va me servir à imprimer mes petits scénarios de vidéo. Voilà. Vous remarquerez déjà la petite disposition tout autour du cadre là, il y a, voilà, il y a une couleur. C'est toujours plus gai, plus sympathique. Et en fait, c'est la couleur que vous avez vue dans l'avant-live. C'est-à-dire la vidéo que j'ai fait pré-montée, que je vous ai diffusée. Et en fait, bah du coup, pour ceux qui s'attendent à ça, oui, il y a un nouvel habillage. On est chez France TV ou quoi? Non, j'ai encore du coup refait un petit graphisme pour la chaîne. Je me suis pas trop cassé le cul, comme d'habitude. Et puis ça fait le taf. Hein? Ça fait le taf, hein, sérieux. Sérieux, bordel. Portez-le de merde. Et puis voilà, donc bah, 10 ans, 10 ans, oufissime. Il y a 10 ans, on avait créé le compte Google, on a créé la chaîne, et on allait sortir la première vidéo un petit peu plus tard, genre tout début avril, je crois.
quelque chose comme ça. Je me rappelle même plus. Ou le 30 mars, je crois. Le dépit dans le regard de Seb, hein, c'est clair. Mais frère, j'ai envie d'aller boire un café, vieux. Ouais. Je suis là, j'ai fait merde. Mais voilà, donc là, en fait, c'est le début du live. Ce qui va se passer aussi, si vous le souhaitez, j'ai créé un Discord. Je vais aller vous rechercher le lien du Discord que je vais vous mettre tout de suite. Hop. Mince, pardon. CTRL-C. OBS. C'est vrai, il y a un Discord. J'ai fait un Discord. Vous pouvez, si vous souhaitez, y aller. Et l'intérêt du Discord, c'est surtout pouvoir accéder au salon vocal si vous voulez passer dans le live. Si vous voulez qu'on discute ensemble, si vous avez des questions à me poser, ce qui est toujours plus sympathique à l'oral, avez-vous la possibilité d'afficher les commentaires des deux lives sur l'écran, c'est plus facile à suivre. Alors, j'aurais dû refaire la config pour YouTube. Et là, du coup, effectivement, je l'ai pas fait trop tard. Vous êtes en vocal sur Discord, je peux me connecter. Si ça dit à des gens qu'on discute ensemble, si vous avez des questions à me poser, si vous voulez qu'on parle un petit peu, si vous voulez savoir des choses. Par contre, fais attention parce que si tu veux prendre des gens en vocal sur Discord, il faut que ton fond musical, étant donné que c'est le son de ton PC, il faut que tu le pousses à fond et que tu baisses le son dans le lecteur de musique. D'accord, Fais gaffe. Hein. Parce que je vois bien le mec qui va se faire rouler, tu vois. Ben, les mecs, on va les entendre au fond des chiottes. Non mais parle plus fort, on t'entend pas. Attends, hop, bouge pas. Là, il y a plus de musique, c'est normal. À fond. Ah, voilà. Je vais mettre à fond, tu verras, tu arriveras le son. Typiquement, la musique est à fond. Bah, la musique est encore à fond quand même. Mais toi, t'as des musiques qui braillent ou quoi? C'est pas possible. Bon, non, écoutez, ça va aller, on va faire comme ça. Si vous trouvez vraiment que la musique est trop forte, dites-le, je ferai en sorte à la baisser. C'est tout. De toute façon, je pense que je couperai à ce moment-là la musique pour pas que ça dérange. Voilà. Écoutez, tout est bien, tout est beau, tout est nickel. On va pas parler que des anciennes vidéos, etc., etc. Dans ce live-là, je me suis fait un petit bloc-notes sur mon iPhone. Ça, c'est bon. On va aussi donc réagir aux anciennes vidéos. On reviendra aussi, puisque c'est l'actualité aussi un petit peu. On va faire de la bagnole. On va aller en fait un petit peu parler de la toute nouvelle Peugeot 308. En tout cas, moi j'ai pas pu la tester quoi que ce soit, parce que de toute façon elle n'est pas encore dispo dans les concessions. Elle n'arrivera qu'au mois de juin, je crois. En commande à partir du mois de juin. Précommande à partir du mois de juin et dispo en concession au mois de septembre. Voilà. Et juste en fait parler un petit peu du style, de ce que j'ai pu voir, etc., de comment elle est. Éventuellement vous faire un petit retour maintenant sur le POC Tour qu'on avait été voir en 2019, en avril 2019, à l'époque. Je vous expliquerai aussi ce que c'est pour ceux qui n'ont pas suivi. Avec une petite fin de journée et vraiment aux petits oignons. Incroyable. On essaiera de se souvenir de tout ça, ça va être incroyable. Surtout la fin de journée. Ouais. On reviendra aussi sur un bug qui a touché tous les téléphones Android cette semaine et la semaine passée en fait, qui faisait que toutes les applications que tu lançais, ça crachait. Voilà. Et on se fera peut-être une petite partie, alors j'y joue jamais, mais du coup ça va être marrant. C'est soit du Apex, Legend ou bien du Fortnite. L'un des deux. On verra bien, ça va être marrant parce que j'y joue jamais. Donc je sais pas jouer. Ça va être incroyable. Ouais, attention, s'il n'y a pas de mise à jour. C'est ça, en plus. Ouais. Si tu veux aller faire ton petit café, tu peux y aller. Ah bah écoute, moi je vais aller me faire mon café, je vais aller boire un café, je reviens. Eh bah écoute, va te faire un petit café et puis c'est réglé. Voilà, je vais aller boire un café et du coup... Écoute, vas-y, en attendant, si vous voulez, bah du coup on va regarder, avant d'aller voir les anciennes vidéos, on va du coup aller parler... On va aller parler de la nouvelle 308, on va voir un petit peu, voilà, on a déjà un avis, ouais c'est moche, c'est truc, ok. Voilà. Et puis... Je vais aller boire un café. Très bien, hein. Alors, sur Discord, il y a un chat écrit et du coup le chat vocal aussi, le salon vocal. Il faudrait que je puisse m'y mettre, comme ça, si vous souhaitez venir. Mais en fait, l'intérêt d'y aller dans le chat vocal, c'est vraiment si vous avez des questions sur la chaîne, sur moi, ce que je fais à poser. Hein. Si c'est juste, il fait beau, ouais, allez, salut, puis déconnecté. Bah, il y en a qui vont faire, hein, c'est sûr. Bah, du coup, je l'ai dit, maintenant, il y en a qui vont se mettre l'idée en tête. Okay, non, mais... Ah, c'est nul. Et pour faire ça, non. Bon, voilà. Allez. Vas-y, mon chef. Va boire le café. Voilà. Bon, il te dégage. Oui, donc on a tous les commentaires. Ça marche, c'est incroyable. Donc ça, c'est bon. Je réfléchis, hein, parce que si j'oublie des trucs, on est dans la merde.
Ça et ça, donc le Discord, ok, attendez, je reprends vos commentaires. Alors, j'ai déjà essayé l'ancienne 308, elle est beaucoup plus jolie. Ouais, alors ça c'est effectivement des points, donc on va aller regarder un petit peu ça, hein. On va aller voir ça. Question à l'employé d'Edouard, quelle est ta voiture qui t'a le plus impressionné au Drive Leclerc? Il me semble que c'est une Porsche, et c'est un de leurs responsables, on demandera ça après. Bien, la nouvelle 308. Alors... Peugeot.fr, hein, bien évidemment. Tout accepté. Ils sont chiants avec leurs cookies, bordel. Nos modèles. Nouvelle 208. Nouvelle 308 Berlina. Alors, ouais, on va juste faire un petit point de comparaison. Je vais vous mettre la capture d'écran, si vous voulez bien. Hop là, je suis en haut à gauche. Coucou. Je suis en haut à gauche. Donc ça, c'est OBS, avec tous vos commentaires. Là. Bam. Alors... Là, je suis sur le site de Peugeot, et ça, c'est l'actuelle 308. Celle qu'on voit tous les jours dans la rue. Et celle qui va sortir, c'est celle-là. Au départ, je suis un peu comme certains, ce vert, je me suis dit, ils vont pas le garder. Sans déconner. Casse-toi ! Je m'en fous ! Offre commerciale, je m'en fous ! Ça, c'est bien les sites pour de vendre des trucs. Et au final, ils ont gardé le vert, là. Et au final, ce vert-là, je le trouve très... il marche bien sur les versions sportives, je trouve. Donc, mon avis, déjà, sur le style de cette 308, j'aime beaucoup, personnellement, de par l'allongement, ici, du nez de la voiture. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que toute la cabine, ils l'ont reculée. En fait, c'est juste qu'ils ont allongé le nez de la voiture. Ce qui fait que ici devant, on a un nez qui plonge jusqu'à la calandre. Toujours pareil, le logo Peugeot devant, je le trouve trop gros. Mais c'est parce qu'ils ont intégré un capteur pour la conduite semi-autonome, etc. Devant. Donc il est planqué derrière. Le logo ici, il est en indium. Parce que sinon, s'ils mettaient par exemple de l'inox ou quoi que ce soit, ça marcherait pas avec les capteurs. Ça perturberait les capteurs qu'il y a là. Donc là, c'est le seul métal qui supportait le capteur, que supportait le capteur derrière, c'est de l'indium. Je vous laisse rechercher ce que c'est parce que c'est un truc de ouf. Et donc c'est un logo en indium, mais je le trouve trop gros. Voilà. Les crocs typiques Peugeot, un regard plus acéré, et que sur les versions GT et GT Pack, le logo Peugeot ici sur le côté, le petit blason Peugeot sur le côté. Voilà. Et en fait, moi ça me fait penser en fait à la Seat Leon, on peut aller voir ça aussi. Seat.fr, la nouvelle Seat Leon, voilà, on la voit déjà ici. En fait, c'est un peu la même chose, c'est genre l'avant, il est assez long. L'avant, il est assez long et le nez, il plonge vers l'avant, on le voit ici, jusqu'au logo Seat. Ça me fait penser à ça et typiquement, si on regarde, si on fait le compario, et ça joue dans les mêmes styles. C'est impressionnant. C'est pas exactement pareil, mais là, la ceinture de caisse est un peu plus haute. Il n'y a pas le même dessin. Mais en fait, le nez, c'est typiquement la même technique en fait qui est utilisée. Voilà. Oufissime. Donc ça, c'est la nouvelle Leon aussi que j'aime beaucoup. Et là, donc la nouvelle 308, des puissances qui vont aller... Pardon, qui vont s'échelonner de 180 à 225 chevaux, puisque ça sera une 308 hybride. Donc en hybride, ah, ça tire. Et en 308 classique, on sera de 110 à 130 chevaux. En fait, ils misent tout sur l'hybride. Tu vois, si t'as... Ouais, mais moi, je veux de la puissance. Bah, il faut prendre une hybride, monsieur. Voilà. Vas-y, sur le portefeuille. Et en fait, là-dessus, on n'aura plus que, je sais plus, 2 ou 3 essences. Et un seul diesel, mais décliné en boîte manuelle et boîte automatique. Voilà. Donc, c'est un peu triste, hein. On délaisse les moteurs thermiques. La nouvelle identité de Peugeot, voilà. L'intérieur, il faut que je vous trouve une image de l'intérieur, si on peut. Parce que pareil, l'intérieur, c'est une très belle surprise. En fait, ils reprennent les codes de chez Peugeot. Peugeot. Ah, voilà. Donc, ils reprennent, en fait, ici, on le voit sur l'image, ils reprennent le Light Cockpit 3D de la nouvelle 208. Je vais aller voir vos commentaires. 208, 308, je suis pas fan, je trouve que c'est bas comme voiture. Ouais, c'est bas, hein. Le vert fait penser à des voitures, c'est les Jaguars, t'as raison. C'est vrai que mes Jaguars, ils ont un vert beaucoup plus... là, il est un peu... C'est un vert électrique, j'appellerais ça. C'est pas le bon mot, mais en fait, c'est plus un vert électrique. Et en fait, Jaguar, ça va plus être un vert plus profond, tu vois, plus... distingué, tu vois, parce que c'est Jaguar.
Entre les deux, il y a une verte et une rouge, ça n'a rien à voir. Quel enfoiré. Alors, il n'y a plus personne qui regarde sur Twitch. Oh merde. Bon, ben tant pis, c'est pas grave. S'en fout, on fera sans. Alors, bam. Donc, l'iCockpit 3D apparu sur la nouvelle 208. Et là, ils l'ont repris sur la 308. Sans les arches ici qu'il y avait sur le côté. On avait l'impression qu'on pouvait aller choper le tableau de bord sur le côté. Ben, c'est un peu con. On le voit là dans le coin, c'est le volant, le petit volant actuel. Je sais pas si on en a un visuel. Alors ça, c'est génial. Enfin, c'est génial. C'est une belle mise à jour de leur interface. Ils ont refait donc déjà l'interface du système multimédia d'infodivertissement de la 308. Et en dessous, ils ont intégré ça. Ça s'appelle les Eye Toggles. Et ça reprend le principe des touches piano qu'il y a juste en dessous, des touches physiques. Et là, en fait, c'est un raccourci. On peut aller sur le menu Home. Et on a un raccourci de certaines fonctions que vous utilisez souvent et que vous pouvez configurer. Vous le configurez à votre sauce, c'est génial. Voilà, et puis ben, donc toujours les touches piano physiques, notamment pour les warnings et puis tout ce qui est pour arrêter la clim, le dégivrage, etc., etc. La touche de volume pour la radio. Et on le voit en dessous ici, mais on ne l'a pas en entier. Il y a tout ce qui est recharge. Tout ce qui est recharge sans fil pour nos téléphones. Dérangement d'ailleurs. Voilà, ici on le voit un peu mieux. Donc une recharge sans fil par ici. Ici le bouton start stop, la boîte de vitesse. C'est juste un bouton, un poussoir là, voilà. Très bien intégré, je trouve. Très discret. Le drive mode ici, que je trouve dégueulasse parce que il est repris sur le. C'est repris sur beaucoup de modèles Peugeot et en fait je le trouve dégueulasse. Ils auraient pu faire un autre bouton que ça. Je le trouve pas terrible. Le frein à main de le bouton de frein de parc, les ranges gobelets, une prise 12 volts, une prise USB, peut-être dans le coin une USB-C. Et encore un rangement ici dans le noir qu'on ne voit pas. Alors faut pas se leurrer ici, c'est du plastique. Hein. Du modèle qui est sorti en pré-série pour faire les essais presse. Ici là, toute la partie là, c'est du plastique. Hein. Voilà. Effet aluminium, mais c'est du plastique. Voilà. On voit les petits sièges avec les surpiqûres vertes. Tac, et voilà, donc je vous parlais de ça tout à l'heure, la recharge sans fil, vous placez votre téléphone là-dedans et ça recharge et c'est nickel. Voilà, il y a toutes les assistances à la conduite, plein de radars partout, c'est un délire, laisse tomber. Et donc ça c'est l'architecture hybride, donc vous avez un moteur thermique et les moteurs électriques, c'est la plateforme, je sais plus son nom à cette plateforme là. Voilà, et là, on voit la ligne d'échappement, où est-ce qu'elle passe, frérot. Le jour où tu veux faire un full tube, ou bien faire une cheminée, qui t'enlève en fait toute la ligne d'échappement, tu supprimes tout. Sortie de turbo, tu remontes, un trou dans le capot à la scie sabre. Cheminée, bah, ça va être le bordel. Là. Avec le moteur hybride et tout, bah, ça va être le bras, on peut plus bricoler sur ces voitures-là. Quoi? Vous y avez jamais pensé? Ça libère les autos, je suis désolé. Non mais, oui, le petit délire boiserie avec... voilà. Et là, en fait, on a l'impression que la ligne, elle est énorme. C'est incroyable. Bon, bref. 240-400 volts, la batterie lithium-ion. On s'en fout. Alors, voilà. Et puis là, on voit une image de l'arrière. L'arrière, j'aime beaucoup aussi, avec le petit blason Peugeot en dessous. On a une bande noire qui relie les deux feux. Et en fait, dans les feux ici, vous avez que les feux stop et les feux rouges, en fait. Et tout ce qui est feu de marche arrière et clignotant, je crois, c'est déplacé là en bas. Si je dis pas de bêtises. Ou alors, les clignotants sont aussi là et trucs, voilà. Tout le bas en noir laqué, les fausses sorties d'échappement, bien évidemment. Ça aussi. Et alors, au programme, il y aura peut-être une version, je crois qu'il y a une version SW qui va arriver, de la 308. Il y aura plus de version GTI, je crois. Ils vont plus faire la 308 GTI. Et bah, bien sûr, la version décapotable, ça c'est fini aussi. Ils la font plus depuis longtemps. Mais voilà, donc on aura la berline et la SW. Et la SW sortira un petit peu plus tard. Voilà, voilà, messieurs, dames, je vais lire vos commentaires, excusez-moi. Hop. 250 en portefeuille. J'ai une grosse voiture à côté de ça, une Peugeot 2008 de 2015. Ouais. Après, ça reprend effectivement, là, le style s'est inspiré de ça, en fait, le Peugeot 2008 de 2015. Il était... Non, hein, impossible. Si. Pardon, j'ai rien dit. Les touches piano, c'est une nouvelle option, le lecteur cassette. Voilà, non, mais ouais, ce serait marrant. Des lecteurs CD et tout, mais ils mettent même plus de lecteurs CD en fait. Si je regarde bien, il n'y a plus de lecteurs CD, même ça, c'est fini.
Donc voilà, donc ça c'est la nouvelle 308. J'aime beaucoup, personnellement j'aime beaucoup. Vous pouvez vous avoir votre propre avis. Et comment dire, vous pouvez avoir votre avis et vous dire putain j'aime pas, c'est nul à Brière. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est tout. Tac. Voix connectée, 10 ans, etc. D'accord. Alors, j'ai été me connecter. Il faudra voir si ça marche bien. J'ai été me connecter sur le vocal du Discord. Je vais vous remettre le lien du Discord. Si jamais vous voulez, comme ça, vous l'avez. Lecteur vinyle. dans la Peugeot. Attends, j'ai mis un vinyle. Puis, tu sais, avec la barre qui vous bougez, tu sais, le saphir. N'importe quoi. Pas de lecteur CD. Hop, je vous remets le... Voilà, je vous ai remis le lien vers le Discord. Si vous voulez y aller, si vous voulez venir en live, enfin, venir, en fait, et discuter, qu'on discute ensemble de choses plus ou moins importantes. Voilà, donc ça, la 308, c'est fait. J'aimerais attendre que Seb revienne. Alors en attendant, on va aussi revenir donc sur ça. Je vous fais languir, hein. On va aller voir les anciennes vidéos, mais on verra ça après quand Seb sera là. Maintenant, on va aller voir. En fait, on va aller s'intéresser au bug qu'il a eu sur tous les téléphones Android en début de semaine. Et c'est en fait un bug qui faisait que toutes les applications que vous pouviez lancer sur le téléphone, enfin presque toutes, elles crachaient dès le démarrage. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est Google qui a eu un souci, directement. Alors, je vais vous mettre, c'est un article de Phone Android. Voilà. Je vais vous mettre l'écran. Comme ça. Voilà. Le lien se met pas sur le chat YouTube. Ah bon? Ah. Même en faisant copier-coller, ça... C'est... Tu fais copier-coller du truc et... Non? Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais essayer d'avoir le retour... Bouge pas. Je vais essayer d'avoir le... De regarder le live sur mon téléphone. Voir un peu. On va trouver des solutions. Hein. Ah oui. Oh, t'as raison. Twitch, YouTube. Merde. Mais t'as raison. Oh, qu'est-ce que c'est? Pourtant, il me dit qu'il est bien posté. Mais t'as complètement raison. Le lien se met pas du tout dans les commentaires YouTube. Oh, c'est encore cassé. Oh, ah merde. Tout est cassé, mais j'avoue. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas, les frères. Ouais, je sais pas pourquoi. Faut que je trouve un moyen de vous l'intégrer ailleurs, alors. Ouais, ça se met pas. Ouais, ouais, si, si, non, mais j'ai vu. J'ai été voir, regarde, j'ai ouvert le retour du live sur mon iPhone. Et puis, bah, en fait, oui, je vois que les liens au Discord se sont pas mis. Putain, 2020, je vous jure, allez, comment, bordel, t'as cassé la machine, mais non, j'ai rien fait. C'est tout le temps ce que les clients me disent quand à mon boulot au téléphone. Alors, donc le bug Android, on va revenir là-dessus. En fait, c'est qu'en gros, bah, t'avais ton téléphone, t'essayais de lancer Gmail, par exemple, et Gmail, il crachait dès le démarrage. Et ben ça, c'est un bug en haut. C'est Google qui a eu un problème. C'est pas genre juste ton téléphone qui a bugué. C'est vraiment Google qui a eu un gros souci avec tous les services. Et en fait, le jour où on a détecté ce problème-là, de par mon boulot, j'ai vite appris qu'il y avait en fait une solution toute bête qui permet de pouvoir corriger le tir. Donc voilà, des applis signées Google, comme Gmail, Google Maps ou Google Pay. Et ils ont déployé un correctif pour du coup faire ça, pour que ça marche. Et en fait, le correctif, eh ben c'est... Alors, ici... En attendant le correctif, ce qu'il fallait faire, je ne sais pas si vous aviez, si vous étiez au courant et ce qu'il fallait faire, c'était de pouvoir mettre à jour ça, le composant Android System WebView. Donc en fait, tu allais dans Play Store, tu cherchais Android System WebView et tu le mettais à jour. Et voilà, et ça a marché même sur les Chromebooks. Il y a eu le souci sur les Chromebooks aussi. Et en fait, ça marchait. Tu mettais ça à jour et bien souvent, ça marchait. On conseillait aussi de mettre à jour Google Chrome. Et puis, bah, après, tout refonctionnait normalement, en fait. Tout simplement. Là, tu vois, ils te le disent. Rendez-vous sur le Google Play Store. Cherchez Android System WebView. Appuyez sur mettre à jour. Faites la même chose pour l'application Google Chrome. Et là, une fois que c'est fait,
Eh ben, nickel. Ça, mais c'est bon. Si ça marche pas, il faut aller vider le cache de l'application Play Store, donc en passant par les réglages du téléphone. Je sais plus exactement où est-ce que ça se trouve, mais en fait, dans les réglages, vous avez une possibilité de vider le cache des applications. Le cache, c'est une mémoire temporaire de l'application en question. Quand tu navigues, ça stocke des données, etc. Et il faut vider le cache du Play Store. À la rigueur, tu redémarres ton téléphone, tu y retournes, et tu vois si ça marche. Voilà. Et en théorie, à la suite de ça, voilà. Et là, tu peux faire passer l'astuce à tous les gens que tu connais. Là, en théorie, le problème doit être réglé. Je pense qu'en théorie, aujourd'hui, on n'a plus trop de soucis avec tout ça. Problème de Google, ouais, vider le cache. Vider le cache, bien sûr, bien entendu, tout à fait. Et donc voilà, et donc c'est, ça s'est produit sur tous les téléphones Android, sur les Chromebooks aussi, les ordinateurs Chromebook, de toutes les marques hein, confondues. Hein. Tant qu'il y avait le système Chrome OS dessus, t'étais baisé. Et voilà. Et donc, de par le boulot que je fais, hein, je vous explique pas ce que c'est. Et en gros, moi, on s'est pris toute la vague des gens qui. Oh bah merde, il se passe quoi? Mais bien sûr, on est spécialistes. On a fait, ne vous inquiétez pas, ça se règle. You know this? Damn. It's incredible. You know? Incredible. Yes. Voilà. Et puis, bah voilà, donc bah c'est tout. C'était pour ce petit correctif, pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Oula, ça c'est. Oula, oula, oula! Oula, j'ai encore cassé la machine. Ça c'est les biscottes. C'est comme les biscottes au chocolat. Ça craque. Ça se trouve dans l'option stockage. Merci Adam. Stockage, et puis vous avez toutes vos applications et vous choisissez l'application Play Store et vous videz le cache. Et vous redémarrez le téléphone. Bien sûr, moi je suis sur iPhone donc j'ai pas eu le problème. Je suis sur Pigeonphone donc j'ai pas eu le problème. Attendez, je check un petit truc. Ça, on en a parlé, c'est bon. Ça, je vais pouvoir faire le retour avec Seb. La 308, on l'a fait. Donc il nous reste. Le visionnage des anciennes... Oui, je me suis fait un petit programme électoral. Il nous reste le visionnage des anciennes, de quelques anciennes vidéos. Vous parlez un peu si on a encore des anecdotes sur ces vidéos-là. Essayez de s'en souvenir. Ça. Faire un retour aussi sur le POC Tour. On vous expliquera ce que c'est. Et tenter éventuellement de se faire un petit Apex Legends ou bien du Fortnite. Vous allez voir, c'est marrant, je sais pas y jouer. Donc, c'est un délire. Bien. Alors, à chaque fois, on vous dit, ouais, l'anniversaire, c'est le 27 mars, la date anniversaire. En réalité, effectivement, c'est un peu après. Mais en fait, c'est parce que... Est-ce que je vais pouvoir vous le retrouver? Donc déjà, on est 1000. On est 1000. Vous me débloquez certaines fonctions YouTube que j'avais pas, merci. Non, mais c'est bien. Les fonctions post et tout, etc. Je vais pouvoir y avoir accès maintenant. C'est réservé à partir de 1000 abonnés. Donc, bah écoutez, merci beaucoup. Et continuez à vous abonner. Faites tourner la chaîne, c'est gratuit. Moi, j'ai pas mis l'option rejoindre pour avoir du contenu exclusif, truc bordel. Moi, c'est totalement gratuit. Tu cliques sur s'abonner, tu cliques sur la cloche. Bam! Et c'est parti. Et puis, donc moi, je fais une vidéo tous les dimanches à 18h. Bon, là, c'est exceptionnel. Hein. Mince, je retrouve pas la date. Comment je vais où moi pour avoir ça? Parce qu'en fait j'aimerais vous retrouver en fait la date de création de la chaîne, tout ça, etc. Bon, incroyable du cul hein. Et je trouve pas. Données analytiques. Attends. On va trouver. 1001. Non, il n'y a pas une personne qui s'abonne en plus là d'un coup. Allez, allez, que je la remercie. Lionel, on se serre là, à distance, geste barrière bien sûr. Merci beaucoup mon chef. 1001, merci. Là si tout le monde s'abonne, on est dans la merde. Non, on n'est pas dans la merde. J'essaie de vous retrouver. Oh, fais chier, comment je peux trouver ça? Parce qu'en fait la chaîne, c'est ce que je disais au tout début, la chaîne, elle a été créée le 27 mars, mais la première vidéo, je crois, c'est le 30 mars. Comment je peux faire? Si, il faut que j'aille sur la chaîne.
Voilà. On va aller dans vidéo. On va les trier par date d'ajout, la plus ancienne. La toute première, c'est Seb qui l'a faite. On ira la voir juste après. Je ne vous ferai pas ce plaisir de vous montrer ce qui se passe, etc. etc. Mais en fait, la première vidéo, je vais vous retrouver la date. Hop là, c'est le 30 mars 2011. Voilà, c'est ça. En fait, on a créé tout le compte Google et la chaîne le 27 mars. Il nous a fallu 3 jours pour sortir la première vidéo. Et donc, la première vidéo qu'on ira voir tout à l'heure, là, quand Seb va revenir, ce sera le malaise. Voilà. On va la regarder un petit peu en entier. On va regarder ça en entier, quelques-unes des anciennes vidéos, et puis vous pourrez réagir à ça et voir notre malaise en direct. Parce que franchement, c'est le malaise. Je me dis, en fait, ces vidéos-là... alors, j'ai un avis, en fait, que je sais pas si je peux le dire maintenant. Je pense qu'on a peut-être démarré trop tôt. On était trop jeunes. Maintenant, avec du recul, je me dis, j'étais peut-être trop jeune à l'époque pour faire YouTube. Donc, mais on développera ça tout à l'heure. Ça va être croustillant. Je vous en dis pas plus. Ça. Voilà. Allez, Seb, putain, démerde-toi pour ton café. J'ai besoin de toi, là, merde. Qu'est-ce qu'il fout? Je vais appeler Seb. Ça va partir, je vais l'appeler. Ouais, si Seb revient, ouais. Alors. C'est ça, Amy, t'as raison, 30 mars 2011. Ouais, merci, Artfac. J'attends Seb. Il va peut-être bientôt revenir, je crois qu'il a fini son café. Y'a personne qui va sur le Discord? Oh, c'est con. Je vous aime bien, moi. Ouais, je vous aime bien. Allez, venez sur Discord, eh. Bon, après, c'est tout. Si je vois que j'ai créé le Discord pour rien, c'est pas grave. Je vais pas chier une pendule. Ah, alors, j'ai aussi une idée. C'est qu'en fait, vous savez, je fais mes vidéos carrettes, vous savez. Pour tout ce qui est... Pardon, j'écoute un coup au casque. Ouais, donc non, ça c'est bon. En fait, je sais pas comment après accueillir les gens sur le salon vocal. Ça se trouve, vous pouvez juste pas y aller. Parce que le Discord, je l'ai monté, mais genre en 2-2. Et je sais même pas si ça marche en fait. Donc c'est ça qui est chiant. Bref, vous savez, je fais des vidéos carrettes. Attendez, je bouge un peu le micro. Voilà, je fais des vidéos carrettes de temps en temps. C'est des vidéos bagnoles. Voilà, j'aimerais bien d'ailleurs pouvoir essayer une bagnole. Allez, je vous le dis, attendez. Près du micro, parce que on va bientôt déménager, les frérots, je vous le dis, après qu'on aura bougé, qu'on sera plus ici, qu'on aura déménagé, vous êtes pas prêts, enfin vous êtes pas prêts, en théorie, j'ai une idée, mais niveau bagnole, j'ai une idée, BMW, c'est le mot-clé, voilà. C'est le mot-clé, BMW. Je vous en dis pas plus. En vrai, je sais pas du tout. Je me lance dans l'inconnu, c'est incroyable. Le café passe pas. Ça se trouve, il y a bu un café, il est mort, tu sais quoi. Non, je l'entends encore parler. On n'a pas le lien. Carrette à moule, ouais. On peut pas rejoindre le Discord sans le lien. Ben, je sais bien, mais il se met pas sur YouTube, en fait, le lien. Sinon, comment je peux faire? Attendez. Comment on peut faire? Rechercher, lancer une conversation. Désires-tu aller? Je cherche comment vous pourriez me trouver. Comment c'était recherche avec eux? Voilà, c'est... Ouais, si vous mettez... Je sais pas comment ça marche la recherche. Les salons, les messages privés. Ah, attends. Nom d'utilisateur. Ah, peut-être. Attends, je crois que j'ai une idée. J'ai collé que j'essaie. J'ai Blizz Nijnov. Alors, attends, bouge pas. Tac. C'est dingue, tu fais des recherches, il se passe rien. Il y a
Mais what the fuck? Mais comment elle marche la recherche sur eux? Ah, ou alors, ouais, si, c'est peut-être ça, c'est live, spécial. Bien. Non, sans accent. Voilà. Je pense que je sais. Et là, si on va là, on tombe là-dessus. Et surtout, bordel. Essayez ça. Ouais, j'ai. Attendez. Vous allez voir. Bougez pas. Mets le lien dans la présentation de chaîne YouTube. Non, attends. On va faire plus simple. Parce qu'en fait, le Discord, il va pas rester. Bouge pas. Je vais vous mettre ce que vous pouvez rechercher comme serveur vocal ou quoi que ce soit sur, sur Discord. Bougez pas. Hop, c'est ça, hein, je crois. Attends, je regarde un peu. Il me semble que c'est ça. Live spécial 10 ans. Mais ça, c'est pour... Ok. Alors, essayez, voilà. Regardez bien. Tac, tac. Là, dans le commentaire, live spécial 10 ans. Vous allez sur Discord. Vous faites une recherche d'un salon vocal, d'un salon écrit, d'un truc. Vous mettez ça en recherche. Live spécial 10 ans, tel quel. Au pire, vous faites copier-coller dans la recherche. Avec le point d'exclamation et tout. Essayez de rechercher ça et dites-moi si vous trouvez. Faites ça. Ça s'affiche. Ouais, je sais. Donc, allez-y. Faites copier-coller ou recherchez sur Discord avec ça, là. Live spécial 10 ans. Et voyez si vous trouvez à la fois le salon écrit et le salon vocal. Je vous force pas à aller sur le salon vocal. Vous faites ce que vous voulez. Qu'on soit d'accord avec ça. Si vous voulez pas, parce que le salon vocal, vous allez passer dans le live. Vous allez passer ici, dans le live. Donc, c'est comme vous voulez. Si vous avez des questions, si vous voulez me poser des questions par rapport à YouTube, sur ça, quoi, sur YouTube, en fait, comment ça se passe, comment je fais mes vidéos dans le détail, si vous voulez avoir justement ça, si vous voulez que je réponde à vos questions, et que ça marche mieux en vocal, en fait, vous le pouvez. Aucun résultat. Et merde, putain. Attends. Bon, je vais faire ça. Je vais mettre le lien dans... T'as raison. Si j'ai bien compris ça, je suis bientôt comme Napoléon. Putain. Bon, je vais faire ça. J'écoute le peuple. Je vais aller mettre le lien du Discord dans le tout en haut de la chaîne. Bouge pas. Voilà. Alors, modifier. Personnaliser la chaîne. Je suis en train de faire ça. Je fais des trucs en direct pendant le live que j'aurais pu faire avant et tout. C'est délire, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça qu'on aime. Voilà. Branding, you know. Watermark. Damn. Info générale. Instagram, Facebook et Twitter. Et donc j'étais en train de dire ça, c'est que pour ma série de vidéos carrettes, j'avais fait un Facebook, un Instagram et un Twitter. Je vais les virer. Je vais les virer et je sais même pas si je vais garder... Pour l'instant, je vais garder la marque, entre guillemets, la marque Carrette. Mais en fait, tout sera regroupé en fait sur les réseaux sociaux que vous connaissez actuellement. C'est-à-dire sur Facebook, @CérémieOfficiel, sur Instagram, c'est la même chose si je dis pas de conneries. Oui, c'est CérémieOfficiel. Et sur Twitter, CérémieOfficiel aussi. C'est CérémieOfficiel partout. De toute façon, vous n'allez pas vous tromper. C'est voilà. Il y a les liens, d'ailleurs, il y a les accès directs si vous allez sur la chaîne au niveau de l'endroit où vous avez les Facebook, Instagram et tout, il y a sur la gauche, il y a ce qu'il faut, Facebook, Instagram et Twitter. Quand vous cliquez dessus, vous tombez dessus. Alors, URL, nom, lien. Ajouter un lien. Discord, 10 ans. Tac. Et... Discord, channel, truc. Voilà. Publier. Tac. Coordonnées, nom. On va aller voir si c'est bon, du coup. Est-ce que c'est bon? Ça doit être bon. Alors, allez-y. Allez voir sur ma chaîne, sur la page d'accueil de ma chaîne, et vous savez, là où vous avez la bannière avec Facebook, Instagram et Twitter, qui sont rappelés, d'ailleurs, vous pouvez les voir, d'ailleurs, ils sont écrits tel quel, bien, vous allez voir en bas à droite, là où il y a marqué Facebook, il y a le logo d'Instagram, le logo de Twitter, il y a le logo de Discord. Et normalement, si vous cliquez dessus, et bien, ça vous ramène... Audio. Normalement, ça vous ramène. Ça doit vous ramener sur mon Discord en théorie. Ah, je suis déconnecté de là. D'accord.
ça doit vous ramener, en fait, vous pourrez vous connecter si vous avez un compte Discord, vous vous connectez sur votre compte Discord, et en fait, normalement, en allant cliquer sur le lien que je vous ai mis, donc, je vais vous montrer où. Regardez. Hop. Hop. Là, ici. Vous voyez la bannière, là ? Facebook, Instagram, Twitter ? Ici. Sur la droite. On passe tout le temps à côté, mais en fait, il y a des trucs. Facebook, Instagram, Twitter et Discord ici dans le coin. Et là, vous cliquez dessus. Normalement, ça marche. Attendez, je reprends vos commentaires. T'as un bon appart. Merci, merci beaucoup, Nick Douille, pour cette intervention incroyable. Oui, donc en fait, ouais, les recherches d'appart, ça se concrétise beaucoup là en ce moment. On en a un où on se dit, frère, si c'est pas celui-là, ce sera un autre, mais... En vrai, on a été voir un appartement que Seb avait déjà été voir. Il est très bien. Si on n'en trouve pas d'autres, c'est incroyable. Comment se déroule l'écriture et les tournages de tes vidéos? Question de Hortfac. Je vais pouvoir t'y répondre. Je vais y répondre d'ailleurs tout de suite. Et Seb pourra y répondre aussi quand il y arrivera tout à l'heure. Faut faire inviter des gens sur Discord. Ah, d'accord, je savais pas alors. Eh bien, écoutez, si vous le souhaitez, je peux vous ajouter du coup sur Discord, pour ceux qui voudraient éventuellement passer sur le salon vocal, pour me poser des questions à l'oral. Attention, faut pas que ce soit le... Il faut pas que ce soit le bordel. D'accord? Enfin, je vous fais confiance, mais je veux dire... soyez honnête, soyez pas... faites pas les bâtards. Hein. Je préfère me... Voilà. C'est pas que j'ai pas confiance, mais... Voilà. Du respect, etc. Le bonjour, etc. Hein, bon... Comme si on se croisait dans la rue. Théoriquement, c'est ça. Mais vous pourriez me croiser dans la rue, en fait. Si je viens par chez vous, vous pouvez me croiser dans la rue. Y a pas de problème. Donc, faut faire inviter les gens sur Discord. Donc, bah, si vous voulez que je vous invite sur Discord et qu'on fasse quelque chose, là, ici, eh ben, il y aura pas de souci. Un appart dans le 16e arrondissement de Paris. Non. Non, c'est pas sur Paris que je cherche. C'est sur... c'est une ville dans le Nord. C'est sur Béthune. Voilà. Je sais pas encore si je vais y aller. Mais, voilà. Donc, comment se déroule l'écriture et les tournages de mes vidéos? Donc, question de Hortfac, que je remercie d'ailleurs. Je vais pouvoir répondre à ça. Et bah écoutez, en fait, ce qui se passe, c'est que vu que je fais des vidéos toutes les semaines, moi, j'ai pas de vidéo d'avance. J'aime pas faire... Je t'ai déjà vu dans la rue, possible. Alors, ça va aller, ça va aller, calme-toi. Et alors, en fait... Ah, là, Seb. Donc en fait, moi, sur l'écriture et le tournage de mes vidéos, je prévois pas de vidéos à l'avance. C'est-à-dire, t'as des youtubeurs, ils tournent leurs vidéos genre 3 mois à l'avance, tu sais. Ils ont tout le temps 3 mois d'avance sur leurs vidéos. Et en fait, moi, j'aime pas ça parce que ça dénature en fait l'instant, tu vois. J'aime pas ça parce que, en gros, le fait de faire tes vidéos, moi, je fais souvent mes vidéos, je les tourne, je les monte et je les poste la semaine de leur sortie, en fait. Donc j'ai pas d'avance, et c'est pour ça d'ailleurs que parfois ça me vaut d'avoir des problèmes, genre, bah mince, j'ai pas pu tourner, donc à la place on fait un live. Et non, en fait, donc c'est ça, souvent, pour l'écriture, bah en fait, vu que je fais beaucoup là en ce moment de vidéos high-tech, je parle de sujets high-tech, en fait je me base sur des articles que je vois sur des sites internet d'actu high-tech, et je les sors ici avec l'imprimante. C'est pour ça que j'ai une imprimante là actuellement. Je sors les articles, là, comme ça, et je repère dans l'article les informations importantes, je prends un stabilo et je fluote. Et ensuite avec ça, eh ben j'ai pas de texte en fait, hein, à part ce papier-là fluoté, pour les informations importantes. Et après, autour de ça, moi-même, je construis mon texte. Moi-même, pardon, le micro, Le micro là, bordel. Le retour, bordel. Ça, on s'en souvient de ça à l'époque. Et en fait, voilà, non, je fais comme ça en fait. Voilà, je sors les feuilles. Je sais pas, non, j'ai plus ça. Mais en fait, vaut mieux avoir une bonne qualité de vidéo qu'une grande qualité. Une grande quantité, pardon. Oula, ouais, c'est ça. Et donc, moi, voilà, moi je tourne. Ce qui se passe, c'est que je tourne la même semaine que la vidéo. Par exemple, j'aurais sorti une vidéo enregistrée cette semaine. Bah, la vidéo, je l'aurais tournée cette semaine. Tourner, monter, poster, etc., etc. J'aurais tout fait cette semaine. Et j'ai pas d'avance. Voilà. Et c'est pour ça que parfois, de par un problème de PC, de par, que sais-je, un problème d'appareil photo, ou juste parce que je bosse beaucoup et du coup, je peux pas vous tourner de vidéo, et ben du coup, vous avez pas de vidéo à ce moment-là. Y a rien qui sort. Et c'est déjà arrivé plein de fois.
Seb, c'est ton moment là, vas-y viens. Tu peux venir, le retour bonsoir, du Messi. Bonjour, bonsoir à tous. On va se décaler un peu. Bonsoir. On va se décaler bonsoir. Un peu. C'est une chaise invisible. Hop, je tombe par terre. Ouais, ah là là. Ouais, vas-y, installe-toi. Je suis loin là, hein. Ça sent le café. T'es encore en train de chercher des apparts? Ah bah oui, bah, il faut bouger, mec. Bah, pendant que toi tu fais un live et que tu fous rien, moi je suis en train de chercher j'avoue, des apparts, Dieu. J'avoue. Mais plus vite. Plus vite on se casse, bordel. D'ici, de. Ah, tiens. Un zoom, frère. Regardez-moi ça. Regardez cette tête. C'est incroyable. Incroyable. C'est un Irish Coffee qu'il a bu. Non, non, juste un café. Non, ouais, vous êtes café méo. Café normal. Ouais. Alors, il y a Hortvac, et tu vas pouvoir répondre à cette question aussi. Il y a Hortvac qui a posé une question. C'est comment se déroule l'écriture et les tournages. Alors, c'était de mes vidéos, mais tu peux répondre aussi à la question du coup. Je trouve c'est intéressant. Alors, bah non, bah en fait, il n'y a pas de secret. Hein, tout ce qui est. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, je suis un peu au fond du bah, couloir. On t'entend quand même, le micro. Je pense que là, le micro, il est tellement bien réglé que même si on va pisser. Si on va pisser au chiotte en bas avec la porte fermée, on nous entend pisser de là. C'est ça. Non, alors bah comment on fait pour faire une vidéo quoi? Alors, en fait oui, comment début. Ça se passe du début en fait, comment ça se passe effectivement? Comment on fait? Et ben alors en fait bah moi personnellement ce que je fais étant donné que c'est une ma chaîne à moi est orientée 100% full tech donc tout ce qui est informatique, audio, vidéo, tout ça. Donc smartphone, PC, casque audio, imprimante pourquoi pas, smartphone j'ai déjà dit, enfin bref des trucs comme ça quoi, un petit peu de la tech comme ça. Et ben en fait il y a pas de secret hein, moi j'ai déjà dit mon ami c'est Google hein, Google Actualité. Voilà, il y a pas de j'ai aucun voilà. Mérite. Donc je feuillette un petit peu, je sélectionne quand même hein, c'est pas genre le premier article genre le Samsung Galaxy J3 en promotion chez Amazon, au secours. Non non, c'est cher juste genre par exemple là il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur un c'était la semaine dernière quoi. Sur le futur bracelet qui lit les pensées que Facebook est en train de créer. Ça tu vois, je le savais pas et je tombe dessus, je me dis waouh, c'est quoi ce bordel. Il y a un article, je lis l'article et là dans l'article je vois en fait c'est vraiment le futur, tu vois, c'est vraiment genre les mecs ils ont déjà des pistes en plus pour ils ont déjà des pistes de réflexion dessus. C'est incroyable, je me dis c'est incroyable ce qu'ils vont faire, etc. Et donc j'essaye, je lis un article, je repère les infos essentielles de l'article, je synthétise un peu l'article, hein, parce que je vais pas faire du copier-coller de l'article pour le juste le réciter dans ma vidéo. Hein. Je prends les infos essentielles, je reformule, je refais à ma sauce. J'essaye de prendre plusieurs articles quand même pour voir s'ils disent tous à peu près la même chose. Mais en général ils disent tous à peu près la même chose, hein, justement. Et ensuite, bah une fois que j'ai écrit, j'ai des infos et tout, bah en fait, je chie pas plus longtemps, je tourne, mon ami. Donc, j'y vais. Alors, souvent, je sors ma vidéo le dimanche, je tourne, j'essaye de tourner quand même, j'essaye de tourner peut-être le jeudi, tu vois, jeudi, vendredi, je me dis, bon, faut quand même que je tourne, parce que là, après, pour le montage, tout ça, avec le travail, c'est pas évident, il y a une semaine sur deux où c'est une catastrophe, j'ai pas le temps. Et puis voilà, donc je tourne, le montage, après, une fois que c'est tourné, il faut monter la vidéo. Donc montage, pareil, je me mets sur mon PC, j'ai un logiciel de montage, voilà, DaVinci Resolve, bon, c'est, je sais pas si t'en as peut-être déjà parlé. Non, du tout. DaVinci Resolve, logiciel qui est utilisé parmi les plus grosses sociétés de production américaines, mais eux, ils ont pas la version gratuite. Eux, ils ont payé pour avoir la version payante, puis DaVinci Resolve, c'est développé par, comment ça s'appelle De petits coquins. C'est cela, la société qui développe DaVinci Resolve, c'est Blackmagic. Blackmagic. Blackmagic, très grosse marque, ouais. Qui font des caméras professionnelles, qui font des trucs comme ça, du matériel de production vidéo, vraiment un truc sérieux. Et Black donc Magic. Ce logiciel de montage vidéo là, DaVinci Resolve, est développé par Blackmagic.
Et pas, Black M. Non, pas Black M, non. Black Magic Design. Voilà, Black Magic Design, très connu, tu peux montrer un petit peu. Et vas-y, on va montrer leur site. Hyper connu. C'est hyper connu, voilà. C'est ça, avec ce logo-là. Voilà. Ils font plein c'est de eux, trucs. Notamment, tu vois, qui font la Pocket Cinema Camera 6K Pro à 2135€. Mais ça, en fait, c'est une caméra, c'est vraiment une caméra de cinéma, mais au format poche. Ouais. Et c'est les seuls à faire, ils ont un brevet dessus. Voilà, ils font du matos de production vidéo, tu vois, des trucs un peu comme ça. Bref, bon, c'est pas trop le sujet, on va pas y passer non, des heures. Ouais, non, mais on va pas faire de la pub non plus. Ouais. Donc tu peux enlever ça du live, s'il te plaît. Parce que c'est pas le but hein, de leur faire de la publicité. Hein. Donc j'utilise DaVinci Resolve pour monter mes vidéos. Je peux faire de la colorimétrie, tout ça. Et puis ensuite, une fois que c'est monté, on fait le rendu et ensuite, merde. Et ensuite, c'est j'ai appuyé sur une touche, non, pas du tout. C'est rien passé. Et après, bah, c'est le l'upload, hein, donc on fait l'upload sur YouTube et après c'est terminé. Voilà. Mais surtout, l'étape importante, c'est ça, c'est rechercher l'info. Mmh. Donc trouver une info avec le petit côté, waouh, damn. C'est ça, ouais. Et se dire, ça va intéresser les gens, c'est quelque chose qui est là. Mais cherche même que ça intéresse pas, je m'en fous. Juste le côté, waouh. Tu vois, le bracelet de Facebook là qu'ils essayent de développer, c'est ça. Qui lit les pensées, qui lit les messages nerveux qui passent dans ton poignet, waouh quoi. Waouh. Et tu te dis que ça, alors c'est en développement, dans une dizaine d'années, ça va exister. Waouh. Ah moi j'en veux pas, hein. Ouais, ouais. Mais en fait, il y a un usage, c'est parce qu'il y a un usage, c'est un usage de niche, hein. Il faut avoir les lunettes connectées, avec l'interface connectée, et bientôt tu pourras manipuler cette interface connectée avec tes doigts, avec tes mains, comme si tu pilotais ton smartphone. Et tout ça, c'est Facebook qui fait ça. Mais c'est surtout la recherche d'infos qui est importante avant le tournage, avant tout ça. Parce que je te dis, là, le tournage, on a une caméra, on a des logiciels de montage dans tous les sens. Mais clairement, si tu n'as pas la bonne info, si tu n'as pas ce truc aussi en toi de la chat, genre tu fais des vidéos, ah super, nous on a ça, tu vois, on fait des vidéos, on est content de faire des vidéos, c'est notre passe-temps et on le fait bien. Il y a des gens pour qui se mettre devant une caméra, c'est une horreur, même devant une caméra, ils sont pétrifiés de stress, ils se disent, ah si je dis une connerie, je vais devoir recommencer, machin. Justement, l'intérêt d'enregistrer une vidéo, c'est que tu recommences, tu fais des erreurs, tu recommences, tu t'en fous, il y a un montage derrière, après il faut se dire ça. Et c'est bien ce que tu dis, ça permet un peu de rebondir. Ça fait une transition, ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Et sur ce que je me débrouille, nous demande c'est avez-vous déjà recommencé le tournage d'une vidéo suite à un rendu non satisfaisant? Si on a le temps, oui. Parce que souvent, justement, c'est le temps qui fait chier. Parce que comme on tourne des vidéos un petit peu courtes, en fait, on se dit on va faire une prise. Moi, par exemple, dans mon cas. Je tourne un petit flou qui est là. Salut un petit flou, comment ça va? Un petit flou, deux petits flou, trois petits flou. Espèce là. D'enculé, te jure, espèce non d'enculé. Et restez, on va aller voir les anciennes vidéos juste après. C'est ça, j'attends ce moment là, avec impatience. Et mais si on a le temps en fait, si vraiment le tournage il est pas satisfaisant, ça m'est déjà arrivé. Hein. Moi il m'est déjà arrivé même de le tournage il est pas satisfaisant, je me dis oh fuck, fuck, j'ai pas le temps de retourner, fuck quoi. Parce que de toute façon, YouTube, zéro, hein, ça nous ramène zéro, donc si on sort pas de vidéo, ça y est, c'est fini, hein, on sort pas de vidéo, voilà. Mais maintenant, est-ce que ça nous est déjà arrivé, pour répondre à la question du coup, est-ce que ça nous est déjà arrivé de recommencer le tournage parce qu'on n'était pas satisfait? Bah oui, hein. Oui. Bon, en fait, ça va vraiment m'arriver, ça, de recommencer le tournage, ça va m'arriver en fait quand je vais avoir tourné la vidéo. Je vais aller voir juste ce que j'ai fait comme merde en fait sur l'appareil photo. C'est tout. Mais, ah merde, depuis tout à l'heure je tourne, c'est flou. Ouais, genre ça, tu vois, par exemple. Ou alors en manuel. Ouais, putain, connard, t'as oublié de remettre la mise en point en automatique, fais chier. Bon, et non, ou alors ça, ou alors ouais, moi ça m'arrive à ce moment-là. C'est quand je regarde le rendu que ça donne sur l'appareil photo. Quand j'ai fini de tourner, je vais dans la carte SD en fait et je regarde le rush vidéo qui a été tourné. Et c'est à ce moment-là que je décide si c'est bon ou pas. Après, pour le montage, si, parfois, ça m'arrive, des fois, je commence le montage, je fais... Nique au moque, je recommence tout. Et c'est même arrivé quelques fois où je me suis dit, en fait, ça nique sa mère, je vais pas faire de vidéo, puis c'est tout. C'est tout, c'est déjà arrivé. Alors, comment ça va? Oui, ça va et toi? Ça va? Parfait. Bon, voilà, on a expliqué un petit peu ça, on t'a répondu Artfac, voilà. Hein? Ah bah oui, hein. Oui. Alors vous avez peut-être vu passer, j'ai récupéré un lien Discord que je vous ai posté, c'est le lien en fait du serveur justement, j'ai trouvé là le truc inviter les gens, machin.
j'ai trouvé. Donc normalement le lien est lié, donc si vous y allez, vous êtes censé tomber sur le Discord. Voilà, bah écoute, il y a une chose aussi. Ouais, on va commencer à aller regarder quand même les anciennes vidéos, hein. Donc on va couper la musique. On se rend compte que le timing... Ah, fait chier. Hop. On garde la musique quelque part. Ça, le son, je le laisse. On va le baisser un peu. Parce que si c'est à fond. Tac. Je vais vous mettre ça. Alors, bougez pas. Je voudrais simplement vous signaler, avant qu'on regarde les anciennes vidéos, vous risquez vraiment de faire un malaise et de pas être bien. Ouais. Donc gardez le téléphone pas loin de vous. Hein, on sait jamais si vous devez appeler l'hôpital. Hein. Voilà. Alors, on va commencer avec la première vidéo et... Quelle première vidéo? En fait, c'est la toute première de la chaîne. Et on va se la mater en entier. Et réaction ici de nous en direct. Donc, en fait, je vais baisser le volume sonore du micro pour quand même qu'on entende nos réactions. Mais du coup, je vous mets ça en plein écran. Et puis, on va se mater ça. Ça dure 8 minutes 09. Et on va regarder ça. Toute première vidéo de la chaîne qui a été faite par toi, d'ailleurs. Je m'en rappelle. Hop. Alors, attendez. Salut, coucou, ça va? Ça va bien? T'as pas mis les commentaires sur un vieux téléphone à côté ou quoi? T'aurais pu. Non, bah en fait, je pourrais le faire. Bon, je peux. Tu chopes le site Restream, le chat, le truc de chat et voilà. Bouge pas, là, on va faire solo! Hein? Comme ça, t'as le chat sur ton. C'est ce que je fais. Restream.io. Ah, faut que je. Restream.io, tu te connectes. Oh putain. Je vais prendre avec l'autre là, le Honor. Il va t'afficher les. Aïe, les trucs qui sont déjà synchronisés dedans, il n'y a plus rien à faire. Ah, vas-y, alors comme allume ça. Comme ça, on aura. En plus, il y a un psy, tu vois, c'est bien foutu. Mais le mec, il est en 2002 encore. Mais ouais, moi je suis en 2002. GG pour tes 10 ans, merci beaucoup. Alors, on va aller voir les anciennes vidéos, donc toute première vidéo de la chaîne. C'est le moment. C'est le moment. Donc je baisse. On pourrait pas décaler de 5 minutes. Non. Alors je vais baisser donc le volume sonore du micro et je vais vous laisser la vidéo en plein écran. Ça dure 8 minutes 09. C'est parti. Voilà. Donc potentiellement, j'espère que. Bon, écoute, on va faire ça. Hop. Voilà. À la bricolette. Tac. Bouge pas. Tac. Tac. Plein écran. Et Zabelahoud. C'est parti. Et bonjour à tous, c'est assez 165, d'ailleurs je crois qu'on me voit dans le reflet. Voilà. D'ailleurs je crois que ta page d'accueil Google est chargée. Ouais, c'est assez 165, aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer un petit thème sympa que j'ai installé sur Windows 7, c'est un thème vraiment Mac. Je vous expliquerai tout ça après avec quel logiciel, quoi, qu'est-ce que ce quoi. Est-ce que tu pourrais arrêter de, quand tu dis sympa, de faire sympa? Oui, bah je fais ce que je veux, voilà. J'ai peut-être un accent, mais on s'en fout. Donc voici ma petite page Google. Toujours, assez sympa. Et vous remarquez que... assez sympa. Et vous remarquez tout de suite... désolé... pour le gros bruit qu'on vient d'entendre et les migales de fourmis dans le son qu'on entend, c'est la mise au point. Et le pzzz qu'on entend, c'est le zoom. Merci. Donc voilà, donc je peux pas faire zoom sinon ça fait du bruit. Donc on a les petits boutons qui sont là, ils pourraient être ici, mais malheureusement vous voyez, il y a page précédente et page suivante. C'est pas qu'ils pourraient être ici, c'est qu'ils pourraient être au-dessus. Et voilà. Donc voilà. Donc ma petite page Google. Ensuite, je vais vous montrer ma chaîne YouTube. Donc en fait, merde, j'ai pas de souris. Donc le petit pointeur noir avec le thème Mac. Donc on va aller sur YouTube. Donc vous allez cliquer sur plus. Alors en fait, c'est pas ça l'intérêt de la vidéo, hein, je promets. Mais bon, là, hein, c'est comme ça. Je voulais simplement vous montrer, c'est tout. Et puis voir si on arrive à le mettre sur YouTube, que ça allait pas être ton... Donc ce que vous voyez que ça fait ça comme ça, c'est le... Alors, oui, pour ceux qui regardent des vidéos sur YouTube, moi j'ai regardé une vidéo avec ce que vous venez de voir, la Glee. Ouais, une nouvelle série sur W9. Ah, ils ont fait chier le monde avec à mettre une pub avant la vidéo. C'est lamentable. Je vais dire, elle est bonne. Qu'est-ce que tu fais?
Mais j'arrive pas à avoir une mise en point. Celui qui dit que j'ai la Parkinson, c'est un connard. Donc là, on voit pas bien. Bon, tant pis. Hein. Pourtant, c'est un Samsung, l'appareil photo. Donc voilà, ma chaîne YouTube, ensuite. Je vous montre ma chaîne. Donc, hop, là. Ça vient, voilà. Donc, on peut changer le thème, hein, justement, d'une chaîne YouTube. Donc, tout en haut, vous avez publié un bulletin, paramètres, thèmes et couleurs, modules et vidéos et playlists. Et voilà. Donc, là, on a inscription. Je me suis inscrit le 27 mars. Donc, nous sommes aujourd'hui le 30. Ça fait 3 jours que je suis inscrit. Certes, je suis un nouvel utilisateur. Bon, on s'en fout, voilà. Hein. Et donc, pour ajouter une vidéo, vous allez cliquer là-dedans. Vous cliquez sur ajouter une vidéo. Vous voyez pas trop bien. C'est ça qui me fait chier. Vous cliquez. Et là, voilà. Le seul problème, c'est que ici, il devait avoir le bouton pour ajouter. Mais là, il y a un bug. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez sur Firefox pour faire ça. Sauf que Firefox est plus lent que Internet Explorer. Et ça fait rien. C'est pas le but. Donc, Firefox, qu'on va bientôt vous présenter 4. La version 4. Qui est enfin sorti parce qu'il y avait toujours la version bêta que ça faisait chier, donc super thème. Ça faisait chier. Voilà, bah oui, on peut dire ça. Tu peux directement dire que ça faisait chier le monde, hein, on dira rien. Et tes spectateurs, Nouvelle page d'accueil donc avec le petit renard et sa petite planète, puis Google. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur Google. Comment il s'appelle ton renard, Firefox? Ah ouais, pourquoi tu l'appelles comme ça? Bah non, je vais aller directement sur YouTube, c'est cool, quoi. Bah c'est une petite blague à deux balles, mais bon. Hop, il est un petit peu long. Bon, désolé, hein, j'ai pas la connexion qui va vite comme l'éclair, hein. Comme il est frais, Danny Boone. Je suis un grand passionné de Danny Boone. Ouais, je vous dis. Ouais, ça c'est... Je vous dis. C'est sûr et certain, hein, lui c'est, il assiste un peu, des fois on ne te voit pas, c'est crâne brûlé. Donc on s'en fout. Hein. Voilà, vous cliquez sur ajouter une vidéo. Normal, et hop, et voilà, donc en fait ça donne tout ça. On ne voit pas, il fait mauvais. Donc. Le bouton pour ajouter une vidéo, enregistrer des vidéos avec un, mais là on peut glisser les vidéos. Donc, j'espère que celle-ci devrait. Est-ce qu'on m'entend, monsieur? Ce qu'on va faire, c'est que cette vidéo-là, on va la glisser là. Dans le cadre, et puis attendre que voilà. Ça soit jeté sur le... Ça, c'est bon. Ensuite, oui, pour avoir ce thème Mac, donc je vous ai présenté ma chaîne, voilà, c'est donc, bien. Hein. L'intérêt de cette vidéo, c'était de... Attends, pause, attends. C'est impossible. Micro. C'est impossible. Depuis tout à l'heure, en fait, il y a quelqu'un sur le Discord, et nous, on est là comme des cons, on regarde. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, on l'a même pas capté. Putain, mais... Excuse-nous. Attends. Non, c'est pas grave, je te pardonne. Ça va ou quoi? Alors d'ailleurs, c'est qui? Parce que du coup, attends. Je m'appelle PX, bonjour. Yes, salut. J'ai un peu l'impression qu'il va me pirater, c'est quoi ce bordel? Non, je code, c'est une blague. C'est une blague. C'est quoi, gars? Je vais aller chercher, on est normalement. Ouais, vas-y. Et tu sais, je vais faire comme les DJ, tu sais. Comme ça. C'est un délire. Pour l'instant, je vais mettre mon casque en fait là. Et puis comme ça, j'entendrai un peu ce qui se passe. Ah ouais, du coup, j'avais pas capté qu'il y avait quelqu'un. Parce que vu que j'avais pas la page du Discord ouverte, voilà. Là, elle est ouverte. Ça. Bah, dis donc. Ah oui, PX, ok. D'accord, ça y est, je vois. Ok. Je suis connecté au monde. Attends, attention. Si tu fais un PSO MP3, ça fait le tour de la Terre. Voilà. Oh merde. Ouais. Et okay. Tiens, alors, aurais-tu moyen de. Parce que je vais pas passer sous le bureau, ça ferait suspect. Voilà. Alors, on est en train de faire du bricolage, si tu veux. Alors là, du coup, actuellement, tu passes dans le live. Tu te rends compte, ça fait 10 ans qu'on fait des vidéos sur YouTube, on est encore en train de bricoler comme il y a 10 ans. Bon, ouais. Et ben écoute, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et ben écoute, là, effectivement, depuis tout à l'heure, t'es peut-être en train de voir notre live, du coup. Je pense que c'est à cause de ça que t'es là, en fait, mais. C'est logique. Et bah du coup là non, mais tu veux que je mette ça où? En jack? Il y a une prise jack derrière. Mais oui, oh, j'ai oublié. Bah bouge pas. Alors comme ça on a chacun un casque et du son. Voilà. Oui, alors
Je passe sous le bureau, mais pas pour les raisons que vous... D'accord ? Ok. Non, mais parce que, quand même, on précise... Putain, je vais enlever ça. Alors, j'entends plus rien à ce moment-là, j'ai plus de casque sur les oreilles. Donc, si vous voulez m'insulter, c'est le bon moment. Là, t'entends. Toutes les insultes à fond la caisse. Non, non. C'est ça. Oh là. Attends, Y a un monsieur qui est venu, qui s'appelle Jège. Faut que je me mette carrément à genoux. Comment vas-tu, Bon, j'ai pas, j'arrive. Ouais, on comprenait pas d'où venait la voix. Bah, en fait, vous savez que maintenant c'est. Alors, je crois que c'est PX, c'est ça que tu disais. Je crois PX, que c'est PX. Il y a Juju aussi, il y a Juju. Voilà. Donc, et ben c'est ça, effectivement, pendant la vidéo, on a entendu une voix. Et puis, ouais, donc en fait, voilà, c'est ce gentil monsieur là qui est du coup avec nous. Qui va pouvoir, oui, s'il le souhaite, s'il a des questions à nous poser. Il va pouvoir le faire, mais là je suis sur le bureau. Donc un instant, s'il vous plaît. Coupure momentanée des programmes. Oh la vache. Nous excusons pour cette interruption technique momentanée de vos programmes. Voilà, France 3 Picardie, évidemment. Dans un instant, la suite de vos programmes, évidemment. France 3 Picardie, merci. Bon, je pense que c'est celle-là. Putain, si ça fait planter le PC, c'est pas un problème. Et hop. Si tu passes sous le bureau et que Seb est sur le lit, il y a un problème de taille. Ah, effectivement. Ouais, tiens. Ouais, j'en ai une grosse, mais pas à ce point non plus. On va voir si. Faudra que tu me dises si t'as du son dans le casque, okay, résultat de ça. Voilà. C'était pas cette rallonge-là qui buguait ? J'en sais rien du tout. Je sais pas si ça. Parce que c'est de la merde. Ouais, ouais, c'est de la merde. Voilà. Bon, bah, du coup, on revient. Ouais, putain. Ouh, yes. Alors. Voilà. Bon, on va se mettre un casque tous les deux sur la trogne et puis on va regarder un peu ce qui se passe. T'entends les gens, hein, c'est bon, hein. Hop. Comment ça va? Tout le monde va bien. Alors attendez, je vais juste faire un petit test. J'ai peut-être plus du tout de son. Si, t'entends le... Non. Tu l'entends pas? Non. Chez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, on a un problème. Ah ouais, putain, ouais, là ça marche. Ah, ça merde. Ah, parce que du coup, il doit pas gérer les deux sorties audio. Ah, c'est chiant. Ou bien il faut le mettre sur... En fait, il y a un signe, un mode, tu sais, dans le... En gros, tu peux faire en sorte qu'il y ait deux sorties séparées ou une sortie qui joue le même son. Lecture, si vous, c'est là, je crois. Ça doit être là. Attendez, on fait des réglages, on vous entend plus en fait. Deux petites secondes, bougez pas. Pourquoi ? Je suis désolé, on aurait dû faire les réglages avant, on les a pas fait. Propriété, regarde un peu. Information du contrôleur, propriété, vas-y. Là ? Pilote machin, non, c'est pas ça, vas-y, ferme, ça dégage. C'est pas là, c'est dans les paramètres audio, je crois. Paramètres en changement, statistiques avancées, son spatial. C'est pas là, c'est dans les. Attends. Et tu vois, l'enfer! Bricole, un truc. Ce qui est bricolage! Ouais. Oh lolo! Au parleur. Ouais, tu vois, il y a les deux. Attends, bougez pas. On a un souci. Volume principal. Gérer les périphériques. Non, tu sais, il y avait un. Ah, mais à l'époque, il y avait un panneau de configuration pour Realtek. On pouvait faire jouer. Attends. On va chercher sur les deux périphériques. On va chercher deux sorties audio. Si vous avez la solution à notre problème, mettez-le en commentaire écrit. Ah, mais du coup, remets-le sur ton casque aussi, parce que moi, je l'ai plus là. Ouais. Ben, débranche. On va juste débrancher. Attends, bouge pas. Hop. Mais tu t'es gouré, non, de prise, non? Bah non. Line out. C'est bien ça. Bougez pas les frérots. Voilà, bon, c'était censé marcher, mais ah, ça marche pas. On sent bien le travail réalisé pour préparer le live. Oh, mais non, beaucoup de travail. Appelle le service assistance boulanger. Bah, je suis là, il peut pas. Comment ça va? Ça va très bien. C'est pas super. Donc ouais, à l'époque, on s'appelait juste 165. Du coup, là, vous avez vu la première vidéo, là, voilà, on l'aura pas vu en entier. Mais bon, ça me fait chier, ça me casse les couilles, cette histoire de sortie audio. Attends. De sortie audio simultanée Windows 10. Au pire, ouais, au pire, tu sais quoi, on utilise un Marshall et voilà. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est pour ça que ça a bugué sur Discord. Pas changé. Bon, ouais, salut les gens, hein, sur Discord. Je vois qu'apparemment sur le salon vocal, il n'y a plus personne. Du coup, désolé, c'est parce que du coup, on était en ligne tout à l'heure avec quelqu'un, mais bon, c'est pas grave. On va s'en remettre. Eh bien, il y a quand même des gens. Alors, ce... Ah, Megafly, on voit qui c'est. On voit très bien qui c'est. Hop là, je vais revenir là-dessus.
Sauf 29. Voilà. Bon, vous battez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc ça, voilà, c'était donc la toute première vidéo de la chaîne là, qu'on était en train de se mater. Bah vas-y, emmerde-toi pas, on va utiliser un marchage, je pense que ce sera beaucoup plus. Ouais, vas-y. Parce que là, on va se faire chier. Le câble jack, il est là. On va brancher une enceinte au PC. Ça y est. Ah, sa mère. Voilà, tiens. Et en 10 ans, rien n'a changé. Non, rien n'a changé. Alors, bougez pas. Momentanément, il n'y aura plus d'audio. Rien n'a changé. Toi non plus, tu n'as pas changé. Vas-y, coupure, coupure culture de... Ouais, t'as raison. Ah, vas-y, allume déjà l'enceinte. En fait, ça se trouve, il y a des... Enfin, je sais... Attends, j'ai encore du son jack, ici. La prise jack, par contre, elle n'a pas envie. Hein. Ouais, mais... Eh ben. C'est normal, frérot, c'est pas branché, c'est normal qu'il y a pas du son. Non, mais je veux dire, elle le flotte, là, hein. C'est pas terrible. Hein. Bah, sinon, tu baisses ça. C'est pareil avec l'autre, hein. Ça change rien. Hein. Ah non, elle est plus franche, celle-là, mais c'est bizarre. Voilà. Je l'ai tordue, celle-là, peut-être. Je sais pas. Hop. Bon, on va voir si... On va voir si on a du son. Alors. Je passe sur l'auxiliaire. Là, les gens, ils entendent le gling de Windows 10, tu sais. Ouais, alors, faudrait que tu pousses là-bas, peut-être. Ah, faut que je le mets à fond, peut-être. Bah, je sais pas, ouais. C'est ça. Et voilà. Nous, ici, on pousse un petit peu et ça, voilà. Ça peut marcher. Les gars, on a trouvé un réglage, c'est bon. Je pense qu'on a trouvé un moyen de s'en sortir. Donc, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est la merde, frère, c'est la merde. Oh là là. Un merdier sans nom. Ouais, quand tu il pousses. Y a bien un bruit. Ouais, bien quand bruit. Tu pousses à fond, il y a un petit artefact sonore. Ok, c'est bon, vous pouvez revenir, on a fait nos réglages. Quel brin. Et donc voilà. Donc, ça c'était la première vidéo de notre chaîne. On s'appelait Asus 165 à l'époque. Où il est niveau sonore après quand on remettra un peu de son. Ouais, on peut déjà tester un peu. Ah, vas-y. Aïe aïe, attention. Attends, je vais baisser un peu. Donc, youhou, Gcam Studio. Ah oui, essayez de me trouver un logiciel de capture d'écran pour avoir des captures d'écran. Ça, c'est les. Voilà, donc ça, c'était la première vidéo de la chaîne. Incroyable. Est-ce qu'on a une anecdote dessus? Non. Ça t'a fait peur. Hein? C'est ouf, hein? Bah, est-ce qu'on a une anecdote dessus? Ouais, à l'époque, en fait, on avait une folle envie de s'acheter des Macs dans tous les sens, mais on n'avait pas les moyens, et du coup, on a voulu tester ce thème Mac, entre guillemets, sur Windows 7, le bon Windows 7 de l'époque, et bon, bah... Ça marchait plus ou moins. Ça marchait sur trois pattes, on va dire. Hein. Ça marchait plus ou moins, ouais. C'était voilà. Pas terrible. Ça c'était la toute première vidéo de la chaîne. J'aurais envie qu'on aille en revoir une. Alors, attendez, déjà sur le Discord. Ok. Bon, bonjour les gens sur le Discord au niveau du salon écrit. Bonjour à toutes et à tous. Et puis voilà, hein, pour ceux qui y sont. Incroyable. Si je te dis, Randalf et. Expecto Patronum. Est-ce que ça te parle? Alors, Expecto Patronum, oui, c'est. Je crois que c'est dans Harry Potter, si j'ai pas de conneries. Gandalf, c'est pas. Il est pas dans Harry Potter, je crois. Moi, je m'y connais pas du tout, hein, ces trucs-là, je te le dis directement. Et il fait, mais non, c'est pas là-dedans, machin. Il y a encore quelqu'un sur Discord. Ah bon? Attends. Ah non, pas sur le chat vocal, en tout cas. Sur le chat écrit, oui, mais. Ah, les gens sont connectés, en tout cas. On va peut-être aller se revoir donc une deuxième vidéo, une des anciennes d'ailleurs vidéos, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais rebondir par rapport à ça. Attends, je te mets la capture. Hop, avec toutes les vidéos. En fait, moi je trouve qu'on a peut-être démarré trop tôt sur YouTube en fait. Tu vois? La connerie pendant les années scolaires. Ouais. Mais tu vois, en fait, je me dis, on a peut-être démarré trop tôt, parce que bah, à l'époque, on était hyper jeunes, on avait 13 ans. Même pas encore, on avait presque 13 ans. Parce qu'on a démarré au mois de mars, donc on n'avait pas encore 13 ans, on avait 12, on allait avoir 13 au mois de mai. Et tu vois, c'est ouf. C'est ouf, mon frérot, wham.
Incroyable. Et en fait, moi, je me dis peut-être qu'on a démarré trop tôt. Résultat de ça, ça nous a coupé dans l'élan, quoi, en fait, tu vois. On était des gosses à l'époque. Moi, maintenant, je vois ça, je me dis, mais merde, pourquoi on a commencé à faire des vidéos, frère, à l'époque, WAM. Oh, surtout à l'époque, c'était pour faire comme X. Oui, voilà. Ou Y. Et on a été, moi, j'ai été inspiré surtout, en fait, par le youtubeur qui est encore là aujourd'hui, le youtubeur, lol, Locan Sardari, qui fait des vidéos d'high-tech, etc. Et on l'a découvert aussi à cette époque-là. Et j'aimais bien ce monsieur avec l'accent du sud, l'accent toulousain. Et aujourd'hui, il fait encore des vidéos d'high-tech, etc. C'est vrai. C'est une bonne personne. Donc, laquelle on va se... Ah bah tiens. Non. Ah, c'est ça qui fait du bruit. Parce qu'aujourd'hui, on a un Panasonic Lumix FZ1000. Mais à l'époque, il y a 8 ans, du coup, eh ben, on avait acheté, c'est celui que j'ai pété. Merci beaucoup, d'une manière très honorable. Ça aussi, je pourrais vous le raconter. Le Panasonic Lumix FZ38 avec la scène du Sud. Ok. Ça, j'ai plus besoin non plus. Et ben, on va aller regarder ça. Hop. C'est parti, monsieur le dame. Attendez. Ouais. Voilà. Ça se fait direct. Bonjour à tous, c'est du 165. Aujourd'hui, on revient d'un long trajet. On était parti du côté de Béthune, sachant qu'on habite dans un trou qui fait ça de diamètre. Avec à Béthune, il y a une quarantaine de kilomètres. Une trentaine de kilomètres, pardon. Et tout ça en trois quarts d'heure, c'est super saoulant. Allez, retour. Donc trois quarts d'heure fois deux. Donc aujourd'hui, en mode crevé, on va vous crever. Pas forcément, on va vous présenter le Panasonic Lumix DMC FZ38 EFK. Le voici. Donc je l'ai acheté sur internet au prix de 150 euros. Sachant qu'il vaut 399,09 euros, celui-ci est d'occasion. Il a 2 ans, mais n'a pratiquement jamais servi. Donc, vous voyez, Lumix, etc., etc. Donc, on commence, on vous fait une petite présentation comme ça. Flash escamotable, prise de son en stéréo, objectif 2,1 mégapixels, pardon. Zoom optique x18, et en plus, mais un AVC HD Lite. C'est le fameux objectif de Panasonic Leica. Montrez ça. Leica, vous voyez, c'est marqué FZ38. Avec donc derrière un viseur optique, un écran, bien entendu. Le mode pour faire des vidéos, pour pas se compliquer la vie, appuyer sur des boutons et tout. Là. Des petits boutons de réglage, le passage en mode lecture. Ici la molette de, vous voyez, la molette de sélection de mode qui m'a l'air bien costaud. Un bouton focus pour forcer les mises au point, pour faire aller l'autofocus. Le déclencheur avec le zoom. Là je sais pas trop ce que c'est. Enfin, et là le bouton power. Donc ici vous avez un écran. Ordinaire, hein, LCD, on n'a pas besoin de plus, qui est auto-adaptif. La luminosité, vous voyez, s'adapte en fonction de la lumière, vous voyez, de ce qu'on filme. Je ne sais pas comment c'est fait, mais bon, voilà, donc ça se fait. Recherche MP1 en bas, c'est l'autofocus. Vous voyez, donc on va faire un petit zoom là sur mon chat là, voilà. Sur le chat de ma couverture, vous voyez, il fait la mise au point tout seul. C'est agréable. Dans la boîte, on va parler un petit peu de ça. Il y a bien sûr le petit chargeur avec le câble d'alimentation. On a ceci qui est vendu avec, c'est le cache pour mettre devant. Il était devant d'origine. Avec une petite sangle, avec une petite ficelle pour que sa chaîne pendouillée. À l'appareil photo, mais franchement c'est super chiant, je préfère le mettre dans ma poche et puis savoir où il est. Voici la boîte du FZ38, donc elle est bien belle. Nous avons toutes les petites caractéristiques générales ici.
Donc, j'ai perdu, j'ai pas la notice ni les CD d'installation parce qu'il était d'occasion, la dame a perdu tous les CD. Voilà, comme d'habitude, je vais chier ouvrir une boîte. Ici dedans, je crois que c'est, oui, exact, c'est le câble USB, vous l'aurez reconnu certainement, et les câbles pour la télé. On regrette le fait qu'il n'y ait pas d'HDMI, puisque dessus il y a un mini HDMI, on peut connecter sur sa télé en HD. On regrette donc le fait qu'il n'y a pas de câble HDMI vendu avec. C'est que ces câbles-là, vous voyez, jaune, blanc et rouge. Ou blanc, jaune, rouge, vous dites comme vous voulez. Voilà, c'est pas de la haute définition. Il y a aussi dans la boîte, si je retrouve, non c'est là, le pare-soleil avec la bague de fixation que j'ai mis dessus déjà. Donc vous voyez là, ça ici, je vais essayer de le démonter d'ailleurs pour vous le montrer. Hop, on dévisse la petite vis qui est là, hop, la petite bague de fixation ici. Et le pare-soleil en lui-même. Donc c'est un pare-soleil du plus normal qu'il soit. Hein, donc voilà. Et vous avez vendu avec la sangle pour mettre autour du cou, vous voyez, qui est assez... Je vais le mettre comme ça. Assez longue. Donc on a de la longueur. Je vais vous montrer, on va faire un petit test bientôt. Pour l'instant c'était la présentation. Je vous montre le viseur optique et on terminera sur ça. Hop. On va déjà terminer sur ça. Voilà. Le truc genre, ouais, principe, frérot, je vais, alors, je vais filmer le viseur à l'intérieur, frérot. Et donc là, vraiment, pendant un quart d'heure, c'est bien de vouloir filmer. Là, là. Vous voyez, c'est assez dur. Allez, arrête, c'est bon, on a compris. Là. Putain. Oh la vache. Oh là là. Voilà. Oh putain. Voilà, donc le viseur fonctionne assez bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cet appareil photo. Oh, secours, regarde. Ouah. Donc. Attends. Attends, stop, pause. Vas-y, regarde un peu là au fond. Attends, je vais remonter un peu le volume du micro, sinon les gens ne m'entendent pas crier. Attends. Ah, vous avez vu au fond? Au fond de la vidéo, pardon, ouais, baissez le son, parce que vous êtes les créateurs de l'ASMR. Je marche à la chaîne. Les posters, frère. Lol. J'ai rien compris, c'est pas ça. Ouais, ouais, tiens, sur le... Ah d'accord. Ils ont Google, ah oui, bah d'accord, voilà. C'est pour ça, il y a des gens sur le chat vocal. Eh ben bonjour à vous, hein, bien évidemment. Masque chômeur. Très bien. Mais alors, juste en fait, ouais, petite réaction sur ce qu'on était en train de voir là, au niveau de notre vidéo. Attends. Hop, je remets ça. Je suis toujours. Ouais. Au fond là, le truc l'addition. En fait, derrière, on a des armoires pour ranger les affaires, etc. Déjà, c'était encore l'ancien. Il y avait des posters tuning, frérot, avec une Seat Leon à droite. Ouais, mais au secours pour les droits d'auteur, quoi. En fait, moi, je vais jarter celui qui fait ça. Voilà, hein. Allez, salut. Voilà. C'est génial. Allez, en fait. Showbiz Cimer. On aurait... C'est... Ça y est, le mec, c'est vivement dimanche qui démarre. Ouais, ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, grâce à lui, ça va couper le live. C'est ça. Je me suis pris un strike la semaine dernière pour le live que j'avais fait. J'avais mis Give Me The Night de Georges Manson. Ah, ça peut passer. Ça a pas tardé. Ah, merde. Et j'ai pris un strike aussi parce que dans le live, on voit des passages. On voit des passages où il y a l'Eurovision. Psst. Les gars, une fois, deuxième fois, je coupe le Discord. Non, salut. Mais arrête, c'est bon. Non, non, non. Une non, fois, frère. Deux fois, je coupe le Discord. Non, mais frère, c'est les 10 ans. Vas-y, c'est la fête. Les 10 ans de rien du tout. J'ai pas demandé aux gens de me faire chier avec les droits d'auteur en passant un truc soumis à droits d'auteur. Là, s'ils le savaient pas, ça, c'est soumis à droits d'auteur. Mec, c'est mais soumis c'est à rien, droits d'auteur. Mais là, tu l'as coupé, voilà, c'est tout. Je veux dire, bon. C'est pas, je suis désolé. On peut pas passer ça comme ça, en fait. C'est. Arrête. Voilà. Et ça, c'est le genre de truc qui me fait grave chier, en fait. Et c'est pour ça que là, j'ai. Bah j'ai coupé net, voilà. Donc, mais là, tu vas pas couper le Discord parce qu'il y en a un qui a passé la musique de Vivement Dimanche, quoi.
Voilà. Et donc je réagissais donc au truc derrière, donc ouais, il y avait ça en fait accroché, on les a plus là aujourd'hui, ça a complètement changé. On avait une question de de Hortfac. Quelle est la première vidéo qui a vraiment changé la chaîne? Waouh. Je sais pas. La première qui a vraiment changé la chaîne. Il n'y a pas vraiment de vidéo qui a changé la chaîne, frère. J'aime pas, mec. Je sais pas. On a très vite changé, en fait. On a senti le poids des années arriver. Mais, non, une vidéo qui a changé la chaîne, ce serait potentiellement une vidéo qui a fait beaucoup de vues, peut-être. La première vidéo qui aurait fait beaucoup de vues. Je ne sais pas du tout. Je saurais pas te répondre. Je suis désolé. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qui aurait vraiment pu faire en sorte. Parce que tu vois, c'est un peu linéaire, hein, depuis le temps, on fait pas non plus. Je m'en souviens de la vidéo du thème Windows XP sur Windows 7. On avait réitéré ça en fait avec le thème Windows XP. Incroyable. C'est incroyable. Ouais. C'est absolument incroyable. Donc ouais. C'est ça qui est ouf. Alors du coup, ouais, peut-être, je suis en train de penser à une chose, on en parlera après, c'est pas grave. Alors, il y a aussi une vidéo, moi, j'aimerais qu'on aille revoir, elle est un peu plus récente, Thème Mac sur Windows 7, ouais, ça, c'est la toute première qu'on a vue tout à l'heure. Il y en a une que j'aimerais qu'on revoie, c'est celle-ci, test du Sony HX60, et c'est moi qui l'a fait. Genre, en extérieur et tout, je m'étais tapé un délire. Le premier live, non, attends, on ira voir après, si tu veux, on ira voir après. Mais regarde, test du Sony HX60, j'avais mis le FR juste à côté pour dire... Eh, ça c'est une vidéo française, frère. Ça, c'est une technique, c'est pour faire des vues. Je te jure. Je vais faire à côté. Je te jure. Alors, toujours pareil, je baisse un peu le micro et on va voir la vidéo. Hop là. Et bonjour tout le monde, c'est Rémi. Et aujourd'hui, après l'achat de ce Sony HX60, eh bien, on va faire quelques petits tests... vidéo et peut-être audio, mais je pense pas trop que je vais m'attarder sur l'audio, hein, c'est du stéréo. Et donc on va faire quelques petits tests vidéo, voir un petit peu le niveau des lumières, des compensations de lumière, de la mise au point, des zooms, etc. C'est parti, hop là. Alors on va commencer avec quoi? Eh bien on va commencer par vous, pardon, hop là. Je vais... Ah excusez-moi, ça bouge beaucoup. Alors, on va essayer de choper... mon frère qui est donc tout là-bas sur la terrasse. Attention, zoom en action. C'est parti, je vais essayer de vous faire le zoom optique 30x. Juste ça. Oh. Voilà, je dois y être. À peu près. Donc voilà, pardon, voilà le zoom 30x en optique. Vous voyez que le stabilisateur essaye de compenser mes mouvements de tremblage et de mouvements naturels du corps humain, en fait. C'est très très chaud. On va remonter sur le doigt plus haut encore. Merde, d'où est-ce que c'est? Ça c'est le soleil, pardon. Mais merde, ah oui, c'est vrai, on n'a plus. Je vais essayer de choper la petite tuile. Là. Voilà, là je suis en butée de zoom. Bah c'est pas mal. On est à la à quelle distance on est de cette tuile? Alors je dirais qu'on est à... Alors je suis pas... J'ai pas le compas dans l'œil. Je ne sais pas du tout. Je dirais à la louche peut-être un bon 50 mètres. Je dirais. Voilà. Hop là, pardon. On est à un bon 50 mètres de cette... de ce truc. Voilà. Ça vous va comme ça? On va faire un petit plan comme ça, c'est bien. On va retourner là-bas. Là, sur... Pardon. Je vais replier les pieds du trépied. Voilà, donc maintenant on peut y aller, parce que je butais dans les pieds du trépied, c'est magnifique, ça fait bien un petit plan là. Tu savais à ce moment là que je te filmais? Oh peut-être, ouais, je pense que je devais être au courant que le mec faisait une vidéo pour tester l'appareil photo, ouais. Comme ça, je tiens le trépied à la main, en mode j'ai froid en main, et en plus le métal du trépied est froid, donc ça fait encore plus mal, ça fait mal aux mains, donc... Voilà. C'est un peu long, hein. Je marche doucement. Je suis vieux pépé, dit. Ah, Dieu. Hop là. Alors voilà, chez notre ami le garagiste. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que...
Il y a un truc scientifique, les gens, c'est que quand vous mettez une très forte pression en détente dans de l'eau, ça fait de la condensation. LOL. Regardez ça. Vous mettez, j'ai un peu d'eau là, vous le mettez comme ça dedans, et là. Tu vois la fumée? On la voit pas. Je vous assure qu'il y a la fumée. Bon. Arrête. On a été trieur par ce bruit. Le mec il est à terre. Non. Comment c'est possible? Attends. Mimi, c'est sur cette vidéo, il y avait ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non. Au secours. Oh lolo. Oh la vache. Attends. C'est trop. Attends. Vous mettez, j'ai un peu d'eau là, vous le mettez comme ça dedans, et là. Je suis désolé, j'arrive pas, putain. Oh merde. Tu vois la fumée? On la voit pas. Je vous assure qu'il y a la fumée. Bon. Arrête. Et ça fait le jacuzzi. Il est con. Je me mange, je termine comment? Je termine comment? Je suis. Il est con. Il est con. Oh là là. Hop. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que hop là, je vais rentrer dans un endroit plus sombre. Notre garage. Vous avez déjà eu l'occasion, il me semble, de voir à quoi ça ressemblait. On s'en fout, hein, mais c'est juste pour voir les tests de lumière. Donc là, on est en luminosité assez basse par rapport à l'extérieur. Alors, j'ai pas de retour, mais je pense qu'il a fait la compensation de lumière, donc vous devez me voir. Je vous propose quoi encore d'autre? En basse luminosité, on va essayer d'aller choper un truc au zoom. On va se mettre où? Oula, oui, c'est sombre. On va se mettre là-bas et choper de l'autre côté. Parce que niveau lumière, c'est pas ça. Voilà. Donc on y va. Pam, pam, pam. Je me mets juste ici. Là. Hop. Voilà. Je viens de prendre la place. Et maintenant, on va essayer d'aller choper là-bas. En zoom. Hop, c'est parti. Alors, on entend le moteur du zoom. C'est tout à fait normal. Hein. On va essayer de choper le bidon. Voilà. Hop. On va essayer de choper le bidon de lave-glace là-bas. Avec l'étiquette verte. Alors, il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc du coup, on ne voit pas ce qui est écrit dessus. Mais on arrive à la choper. Il me fait la mise au point là-dessus, je crois. C'est pas bien. T'as chopé le bidon de lave-glace, là. C'est le bidon de lave-glace pour l'auto, hein. Je vais verrouiller l'autofocus là. Et là. What the... Il a fait... Bon, il a fait une connerie, parce qu'en fait, je peux verrouiller l'autofocus sur un objet. Bon, bref, voilà, je suis en train de dézoomer tout doucement, voici la fenêtre. Alors, je vais faire cette petite scène, je vais faire très court, puisque sinon ça va peser lourd. Je viens de passer en 50 images secondes, 1080p, mais en 24 mégas. Donc, c'est-à-dire que là, je suis au maximum de ce que peut faire cet appareil photo. Donc voilà, ça... Donc là, on est en 24 mégas. À mon avis, ça ne change pas grand-chose. C'est juste au niveau du débit, etc. Contre-jour, c'est magnifique. Contre-jour, toujours. Moins contre-jour, je pense. Et on revient à notre position initiale. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Hein. On ne va pas faire plus long. C'était Rémi. Merci à tous de l'avoir suivi. On va refaire un petit tour dehors. Et puis après on va rentrer et puis on va aller monter ça tout doucement. On va pas trop se faire chier. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien comme programme. Moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Pas seul. Arrête la tête là, par exemple. Oh. Quoi?
pas ce... Arrête-toi la tête là-bas. Oh, un riverain de ce charmant village. Hey, t'as ce qu'il y a là-bas, c'est un dernier venu sur la main publique. Ça me pique, ça me pique. Bref, allez, merci à tous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai bugué, j'avais pas compris ce que tu m'as dit. C'est ça l'anecdote, la fun fact, c'est qu'à ce moment précis, j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Sur la voie publique. Je vais te pourrir ta fin de vidéo si tu dégages pas de là. Je vais lui pourrir sa putain de fin de vidéo de mes couilles. Et là, j'avais typiquement envie de lui casser la gueule. Non mais regarde, quand tu regardes aujourd'hui, j'ai encore des actions sur ça. Sur... Tu pourras me demander des... Je vais te pourrir ton live. Alors moi, je fais cette vidéo, on est samedi 27 février. Lundi 29 février, je dois aller à un autre lycée. Je dois pas aller à mon lycée, enfin si. Et après, je dois partir dans un autre lycée. Maintenant, t'as vu quoi. Et t'arrêtes pas avec cette parole, j'avais parlé. Le lycée Blaise Pascal de Saint-Omer, pour ceux qui connaissent, voilà. Petite dédicace. Casse à eux d'ailleurs au passage. Et je vais peut-être, je dis bien peut-être, faire un vlog du coup pour cette journée, puisque au midi on a liberté d'aller bouffer où on veut, etc. Ah oui, avec mon appareil et j'ai le vent en pleine face, c'est magnifique. Et voilà, je vais peut-être faire un petit vlog. Il faut que je réfléchisse. Je vais peut-être sortir le vlog sur cette... Si je l'ai fait, je vais le sortir. Si je l'ai pas fait, je vais pas le sortir. C'est tout. Bref, au revoir. Maintenant, ce que je... Ouais, mais alors attends, hey, le problème, c'est que là, moi, je peux plus la passer, cette musique, maintenant. C'est la version originale, je vais me faire striker. Et c'est bizarre que la vidéo, elle est toujours là, d'ailleurs. Hein? Ah, YouTube. Ça a bien changé. Alors, c'est quoi le Discord? Ils diront que c'est pas rétroactif. C'est que c'est pas rétroactif, le truc et tout. C'est quoi le Discord? Est-ce que je l'ai encore là, le lien? Voilà. Je te mets le lien du Discord, là. Regarde. Hop. Voilà. Le micro, il est... tu feras gaffe, il est baissé. Hein. Ouais, je sais. Hop là, on va la remettre à fond. Voilà. Il faut... Oh, putain. Incroyable. Bon, on n'ira pas tous les voir, mais... Pff, oh la vache. Et vous voyez... Vous avez des bonus et tout. Vous avez des bonus et tout, enfin, c'est n'importe quoi. Incroyable. Et genre, regarde, là où je dirais... On n'entend rien. Qu'est-ce qui se passe? Si, ça va revenir, c'est parce qu'ils ont un décalage. Ouais, bon. Allez. Regarde, moi je dis, il y a vraiment eu, en fait, on va dire, un changement. On s'est dit, il faut vraiment augmenter un peu en qualité. Je dirais, c'est peut-être... Voilà, ici, je vous remets la capture d'écran. C'est là. Ouais, dans cette période. Ici, bienvenue chez... Là, j'avais fait une bande-annonce. Et là, après, tu vois, Android 4.4 sur un HTC Pico. On avait été bricolé avec un pote, avec Jean-Claude. Là, s'il passe par là, salut à lui. Incroyable. Et... En fait, on avait donc installé une ROM custom sur un téléphone avec lui. Ah, je me rappelle bien de cette... Tu te rappelles de ça? Ouais. On avait été tourné chez lui et tout. C'était incroyable. Ouais. Et... Et c'est à partir de là, parce qu'on essayait de faire des miniatures à peu près, tu vois. Après, toi, c'était toi qui as fait la vidéo, après c'était moi. Le Logitech G27, qu'on a toujours. 6 ans. Ça fait 6 ans. Et je l'ai toujours, il marche. Ce fameux Jean-Claude. Et après, tu vois, là, regarde, on a essayé, tu vois, avec gameplay Messi, et j'avais essayé de trouver un style, et à l'époque, CRM HD, on le voit un peu là sur la miniature. En fait, à l'époque, j'avais tenté de créer une chaîne gaming CRM HD. Enfin, une chaîne gaming pour nous deux. Bon, on va passer, hein, on va pas trop en parler. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Et la vidéo sur le foot aussi, elle a été... incroyable. C'était à l'époque. Hein. Ouais. C'est ouf, hein. Vas-y. Hein? Oh, elle était bien, ouais, vas-y. Franchement, cette vidéo-là... Ah, le foot. C'est une institution, le foot, en France. Moi, je fais partie de ces gens qui disent « Je sais jouer au foot !» Alors qu'en fait... Comme Cristiano Ronaldo. Oui, je sais pas vraiment jouer au foot. Et alors? C'est vrai, ça change quoi de jouer au foot comme ça? Alors que dès que t'as mis ta télé... Bon allez, regarde le foot. Ouais, carrément, c'est quoi ce soir? France-Brésil.
Stade Maracana. Maracana, vas-y, on balance. Hop, balance, vas-y. En plus, j'ai fait réparer la télé. Ah, oh, carrément. C'est qui a fait ça? Qu'est-ce que c'est pas ça, la télé? Chut. 16e finale de la Coupe du Monde. Remarquablement chanté par les chœurs de la garde républicaine et repris par tout un stade. C'était vraiment très très Non, mais regarde, putain, il joue trop bien. Là, c'est en fait le passage que vous avez vu, c'est un passage. Chut, dis-le pas. Quoi? Non, si, je le dis, je m'en fous. C'est un passage de la Coupe du Monde 98 qu'on a retrouvé sur internet et puis on s'est dit, on va le mettre, ça va faire, tu sais, match de foot et tout. C'est clair. Le geste. Bien. Allez. Deux équipes loyales et qui se serrent la main dans le combat. Un combat que l'on pense et que l'on espère. Bon, allez, j'ai quand même quelques connaissances en foot. Par exemple, le poteau. Pour moi, le poteau, c'est le truc le plus logique du foot. Enfin, je veux dire, t'es comme ça, tu tires, là, ton ballon fonce à 350 000 km/h vers un poteau. Et là, t'as ton entraîneur qui te dit poteau. Putain, mais on a l'air si con que ça, merde! Si le ballon touche le poteau, on sait que ça fait poteau, bordel de merde! Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui te dise. But! Oh là là là! Bon, après, c'est toi qui vois, mais tu peux jouer au foot seul. Ouais! Super! Hop! Hop, petit pont! Parfait! Hop! C'est bon, quoi? Non, t'as raison, c'est mieux d'avoir quelques potes quand même. Grande Marseillaise. Je te laisse faire le comparatif. Perso, habitant dans le Pas-de-Calais, un jour je voudrais bien, tu vois, aller voir un match des Lensois. Mais ces matchs-là sont beaux. Si, ils sont beaux. Si, je te. Bon, écoute, regarde avant de dire quelque chose, bordel de merde. Voilà, donc maintenant, si ça te plaît, tu peux aller mettre un petit pouce vert. Tu peux liker cette vidéo, évidemment, en mettant un pouce vert. J'insiste beaucoup sur les pouces verts, mais c'est normal. Tu peux aussi me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, bien évidemment, et sur mon blog. Vas-y, fais la passe. Mais là, là. Mais ouais. Oui, mais shoot. Mais vas-y, là. Putain. On est champion. On est champion. Et ouais, c'est ça le foot aussi, ma gueule. Allez, salut. On est champion. Ouais, par contre, la France, pour l'euro, hein, vous avez intérêt à vous bouger parce que sinon on devient honte européenne. Voilà. Et puis, allez, le Portugal aussi, hein, parce que c'est bien. Força Portugal. Non. Putain, c'est dur, hein. C'est dur, hein, tout ça. Send help. Please. Putain, merde, au secours. Oh, shit. Oh, stop, on arrête là. Oh la vache. Mais voilà. Et là, petite anecdote sur cette vidéo, c'est la première, enfin pas la première, mais peut-être si, ouais, la première vidéo où je m'étais dit, allez, je vais faire ça bien, je vais écrire un texte, tu vois. Genre j'avais pris une feuille, j'avais des lignes, tout mon texte, j'avais écrit. C'est ça, je me rappelle, le mec il était tout fier de me montrer, ah putain, j'ai fait, ouais, un texte, j'ai fait un texte. Et là... Tu savais que le Portugal allait gagner? Non. Et là, en fait, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'écrirais plus jamais de texte, de vidéo, parce qu'en fait, bah, j'y arrivais pas. Moi, je suis. On m'appelle Michel Drucker dans le milieu. Moi, je. J'y vais au son. Il y a Michel. Au final, tout à l'heure, le mec qui avait mis Vivant Dimanche, c'était pas mal. Hein. Ouais, bon. Mais en fait, si tu veux, là, encore aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a bien une heure. Et puis on va arrêter là-dessus parce que ça fait déjà 2 heures bientôt. Je vais vous laisser aller boire un café. Mais en fait, j'écris pas de texte. Rien. C'est en voyant le sujet de la vidéo, en voyant de ce qu'il y a à traiter, de ce qu'il y a à parler, bah en fait je réfléchis à ce que je vais dire et je dis. Pas de prompteur, pas de feuille, pas de truc, rien. J'écris pas de texte. Parce qu'un coup, j'ai essayé plusieurs fois de le faire, ça. C'est écrire un texte pour ma vidéo et essayer de le suivre. Et ben, j'arrive pas. J'arrive pas du tout. Il y a tout le temps un moment où ça part en couille. Donc, et en fait, j'ai pas la même. C'est pour moi, en fait, réfléchir à ton texte et le dire comme ça, c'est spontané. Que d'écrire tout à l'avance
Bah, c'est... Tu vois, si tu dois dire... je baille. La vache. Ah putain, je baille. Et le nombre de clips qu'on va faire... après, j'aimerais bien faire des clips aussi des meilleurs moments du live. Bon chance. Non, mais alors voilà. Écoutez... voilà, c'était les anciennes vidéos. Faut fouiller hein, dans la chaîne si vous y allez. Vous triez les vidéos par date d'ajout. La plus ancienne. Plus ancienne, pardon. Et puis voilà. Avenir de la chaîne. Avenir de la chaîne. C'est lui qui répond. Moi je. Les gars, je vais surveiller le Discord. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Donc tout en impro, ouais, c'est ça, voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que... donc, l'avenir de la chaîne, je t'avouerai qu'en fait, je sais pas si je vais encore continuer longtemps à faire des vidéos. De part aussi, moi, personnellement, comment j'évolue, etc., etc. Je sais pas. Ou peut-être j'arrêterai un moment et je recréerai autre chose après. Mais je sais pas. En vérité, je sais pas du tout. Après, l'avenir dans l'immédiat, c'est que si, je vais continuer à faire des vidéos tous les dimanches à 18h, bien évidemment. Et... ouais, voilà, quoi. Des vidéos tous les dimanches à 18h. Voilà, surtout sur high-tech et bagnole. Là, c'est les deux créneaux à fond de balle. Et puis, voilà. Je pense que j'ai bien résumé. Voilà. Pour l'instant, je continue. Après, si je dois arrêter, vous serez prévenu. Il n'y a pas de souci. Oui, je fais tout en impro, du coup. Enfin, en impro, je veux dire, comme je le disais, je réfléchis en fait à ce que je vais dire. Donc, c'est pas forcément de la totale impro. Je sais ce que je vais raconter, à quel moment, etc. Changement de nom, design, etc. Design, bah, tu l'as vu en fait sur tout ce qui est tout à l'heure intro au début du live, etc. Oui, changement de design un petit peu. J'ai refait une intro mais qui est beaucoup plus courte. C'est ce que je voulais faire. J'ai changé de police d'écriture. J'ai fait ça dans la semaine. Je t'avouerai que j'y étais même pas. Je m'étais même pas intéressé plus que ça. Et bon, j'ai pondu un truc. Ça va le faire. Ça va le faire. Des changements de nom, non. Pour l'instant, on va rester comme ça. Je pensais à contracter juste pour laisser Rémi en fait. Je sais pas si ce serait une bonne idée pour les autres. Et je sais même pas si le nom pourrait passer sur YouTube en fait. Ceci est déjà pris. Voilà. Mais voilà, alors qu'en est-il du bateau qui a fait une sortie de piste dans le canal de Suez? Ah, tu veux vraiment savoir. Ah, c'est pas con comme question. Hein. Il veut vraiment savoir. Alors je crois qu'ils avaient essayé justement de le débloquer. Ouais, mais avec une grue, frérot. Ouais. Hein. Et ils ont pas réussi. On va aller voir. Je vais voir ça. D'un coup, la question comme ça. Ah, eh, il a le droit. Hein. Canal de Suez. Voilà, tu vois. Il a bougé de 30 degrés un peu dans tous les sens. Très important. Ils ont réussi à le bouger de 30 degrés. Moi, je trouve ça aberrant qu'en 2021, on ne sait pas bouger. Ils sont capables de faire des super bateaux comme ça qui nous transportent des milliers de porte-conteneurs. Enfin, c'est un porte-conteneur, mais qui porte justement des milliers de conteneurs. Que quand ils se plantent, on n'est pas foutu de le tirer, quoi. On n'est pas foutu de le sortir de sa situation, alors qu'on est bien capable de faire justement des porte-conteneurs hyper gros comme ça, qui polluent en plus, et évidemment, c'est ultra polluant. Bah ouais. Ils ont monté la température, 30 degrés. It will be back. On peut pas l'intégrer ici. Alors voilà, ouais, en fait, ils ont réussi à bouger le bateau de 30 degrés. De toute façon, à droite et à gauche, mais... un truc, hein, je vais te dire, hein, moi, je pense que c'est un peu monté aussi, je pense qu'ils cherchent un peu, mais quasiment le premier truc qu'ils nous ont dit quand ça a commencé à bloquer le canal de Suez, c'est les mecs, allez faire le plein, le prix de l'essence va augmenter. C'est le premier truc qu'ils ont su nous dire. Hein. Donc, ouais. Bon. Incroyable, quand même. Je voudrais pas faire mon rageux et tout, mais je veux dire, là, je sais pas si t'as vu, mais le prix du sans-plomb est revenu au niveau d'avant. Hein. J'ai réussi à faire le plein de sans-plomb 95 à 1,50€ le litre. Hein. Alors qu'il était bien redescendu. Donc, voilà. Moi, je pense qu'on nous vole et c'est un vol organisé, quoi. Voilà, tout simplement. Un vol organisé, personne ne peut.
Bien. Si tu voyais les efforts qu'il faut faire pour sortir un camion de 44 tonnes embourbé, donc j'imagine pas avec un tel raffinage. Bah ouais, mais je sais pas, on est en 2021, on n'a pas travaillé sur les techniques justement pour améliorer tout ça. Mais en plus, t'as vu avec quoi ils ont essayé de le bouger au début? L'autre est venu avec sa grue Caterpillar, a fait oh, je vais te le bouger ton bateau. Et il a remis son péco là, comme ça. Bouge pas. Le mec il s'est dit non, d'abord il s'est dit ils vont me filer un chèque, hein, et puis après on fera bouger la Caterpillar. Parce que. Je te jure, mec. Et le gars il est arrivé avec sa petite grue de chantier, il a fait ouais, bouge pas, t'enlèves ça, mais. Hop, il a remis une cigarette là, tu sais, je le vois bien comme ça, tu sais. Dans sa grue, puis je suis en train d'essayer. C'est génial. Putain, le mec, ils ont vraiment cru qu'ils allaient réussir à bouger un bateau pareil, avec une grue pareille, frère. T'aurais vu la taille de la grue? Des grues, tu pouvais en livrer 1000 avec le bateau, là. Putain. Non, moi, ce que je comprends pas, tu vois, c'est ça, c'est vraiment, genre, on est en 2021, on arrive à faire des trucs incroyables, mais comme tu me dis, si tu voyais les efforts qu'il faut faire pour sortir un camion de 44 tonnes embourbé, bah, je sais pas, on est en 2021, les techniques ont pas évolué. C'est encore une galère comme ça pour sortir un 44 tonnes qui est embourbé. Enfin, on n'a pas des trucs spéciaux. Bah, en fait, si. Ou alors, peut-être que je suis du mauvais côté du truc. En fait, parce que j'imagine bien que ça peut être la merde. Mais... En fait, si. La technique. Par exemple, je prends le cas typique où, par exemple, ouais, un camion qui est embourbé. Genre, toutes les roues, elles tournent, mais dans la boue et tu bouges plus. Bah, faut le tirer. Et pour le tirer, c'est un 44 tonnes. Hein. Faut quelque chose de plus lourd. Allez. Va te coucher. Salut, hein. Non, en vrai, c'est chaud. En vrai, après, peut-être que je pense comme un débile, hein, ce qui fait. En fait, aussi, hein, il faut réussir à tirer le camion avec autre chose, qui fait potentiellement le même poids, voire plus de poids, pour qu'il puisse adhérer à la route, ou à l'endroit où il faut le tirer, ou sinon, technique extrême, mais extrême. Urukupter, korai. Tu mets 3-4 sangles, tout autour du camion, tu fais monter l'hélicoptère. C'est ça, moi je trouve, il y a plein, pas que là, hein, mais il y a plein de situations, il y a plein de domaines où, ben, quand il y a un petit truc ou quoi, je me dis, mais en fait, on est en 2021, il faut encore qu'on fasse comme ça. Oh là là, c'est chiant en fait. C'est ça. Hulk peut le faire, ouais. Ou alors je pensais aussi, tu sais, genre mettre pas plus de couple et d'adhérence, ouais, surtout. Ouais, ouais, qu'il y ait plus de force et de l'adhérence pour pouvoir le tirer. Ou alors sinon, après, tu peux, je sais pas si ça marche cette technique, mais je pense pas du coup, parce que ça va s'enfoncer avec. Mais tu sais, tu mets des espèces de grilles en fait devant les roues. Et puis, t'as essayé de sortir comme ça. Mais en fait, ça va pas marcher, elles vont s'enfoncer avec les grilles. Donc, ça sert à rien. Urukupter. Ouais. Urukupter. Un quoi? Vous avez demandé un quoi? Urukupter au courail. C'est un avion avec 12 hélices. Hein? Je comprends rien, frère. Vous pourriez m'appeler, s'il vous plaît, le nom, là? Ouais. Urukupter. Jal, incroyable. Voilà. Mais ouais, c'est galère. Hein. C'est galère. Bon, bah écoutez, voilà 17h qui arrive. Là, il est 17h. T'as déjà fait le tour? Comme je vous dis, si vous voulez, je pourrais. Je suis en train de réfléchir à un truc, frère. Faire une compilation des moments what the fuck des anciennes vidéos. Mais ça, non, ça serait chaud. Un collègue s'est fait sortir son ensemble par une grue. Le patron était en direct avec l'assureur au téléphone. Tu parles. Et c'est en live, hein, les mecs. C'est en live. Allez, alors je regarde s'il casse. Un camion. Camion. Bon, alors, là, il dit à l'assureur, bon alors, le camion, il est cassé. L'assureur, il fait, ouais, bah, vous allez niquer vos mères. Côté. Un avion avec nos alliés. Bah oui, c'est connu. Et ouais, et donc voilà, donc ouais, non, on a fait le tour. Donc comme je vous dis, si vous voulez vous taper le délire et taper le malaise, aller revoir les anciennes vidéos, bah vous allez sur la chaîne et puis vous triez les vidéos par date de sortie, de la plus ancienne à la plus récente. Puis là, ça, vous allez exploser YouTube. Et je réfléchis même les anciennes vidéos, si je devrais pas les enlever, genre jusqu'à une certaine période, tu vois, parce que là, genre les premières, tu vois, j'étais hyper jeune. Plus jeune que ça, tu peux pas, c'est impossible. Aujourd'hui, quelqu'un à 13 ans qui commence à faire des vidéos... Il y en a, tu serais curieux, tu serais bien content de voir le nombre de gosses, et même avant 13 ans, hein, qui font des vidéos, qui essaient de percer. Ouais, c'est ouf, hein. C'est ouf cette histoire. Et donc, après, toi, aujourd'hui, ça a changé. YouTube, à l'époque, c'était le gros truc qui existait. Maintenant, il y a des tas de manières de communiquer sur Internet... Tu vois, il y a Instagram, il y a même TikTok maintenant, il y a énormément de gens sur TikTok. Bon, ouais, quoi.
C'est ça. Et donc, bah écoutez, c'est déjà pas mal. On a fait le tour de beaucoup de choses. J'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire. Voilà, je pense que j'ai pas ton avis à demander sur autre chose. Ah oui, alors rapidement aussi, j'avais dit qu'on allait essayer d'en venir aussi sur le POC Tour. Faut que j'essaie de vous retrouver ce que c'est. Alors le POC Tour, je vais vous expliquer rapidement. C'est le youtubeur POG qui a plein de voitures de sport là, des hypercars et tout. Ah voilà ici. POC Tour édition 0. En fait, il avait fait un truc à Bruxelles. Attendez, je vous mets l'écran. Hop. Là. On avait fait une vidéo ici. POC Tour édition 0 à Bruxelles. Et en fait, le youtubeur POG, que vous connaissez peut-être, qui fait des vidéos donc avec des hypercars, il en a même fait une dernière, là, il a fait une journée à 400 000 balles. Bon. Et en fait, il a donc voulu organiser, lui, son propre gumball, en fait. Il faisait des arrêts dans plusieurs villes, en Belgique, en France, etc. Il faisait un petit peu un tour de France et de Belgique, puisqu'il est belge. Et avec toutes ces, enfin je vais pas dire toutes ces voitures, enfin si c'était un peu le principe, c'est quelques-unes de ces voitures qu'il faisait à chaque stop, qu'il montrait à tout le monde, etc. Et POG qui arrivait. Et en fait, là on avait été à Bruxelles, c'était l'édition 0 comme il appelait ça. La première édition, il avait fait un arrêt à Bruxelles, on avait été le voir à Bruxelles, parce qu'à cette époque-là, moi je vivais du côté de Lille. Et donc on avait dit, ouais, bah vas-y, y va. On avait des esprits de grandeur, on avait été à Bruxelles. Moi, je t'avais rattrapé. J'avais pris le train, je crois, non ? Je sais pas ce qu'on avait fait, il y avait un truc comme ça. Ouais. Et en gros, donc on a été en train à Bruxelles. Et on est arrivé. Alors en fait, la gare où on est arrivé, c'est la gare qui est en dessous du. Bah, c'est la gare de. En fait, c'est la. Je saurais plus dire si c'est Bruxelles Centrale ou Bruxelles Midi. Mais en gros, c'est la gare qui est en dessous du Parlement européen. Du Parlement européen, ouais. Ouais. Et donc, on est arrivé dans le quartier du Parlement européen. Voilà. C'est ça. C'est assez impressionnant, d'ailleurs, d'être là-bas. Hein. C'est assez impressionnant. Alors, nous, on entend le son, mais vous, au live, vous l'entendez plus, je l'ai coupé. Là, en fait, c'est le moment où moi, j'allais prendre le train. Là, c'était à Lille, ça. Moi, j'étais à Lille. C'est à Lille Europe, si je dis pas de conneries. Et en fait... les vidéos, les lives, vous avez de la concurrence, les gars. Ouais, je sais. Et en fait, voilà, donc on avait été... Hop là, je vais te faire un petit montage. C'était au parc du cinquantenaire à Bruxelles. Belle place. Beau truc. Beau bâtiment, beau machin. Et là-bas, il y a le musée Auto World que je vous conseille. Il est incroyable, ce musée. Faudra qu'on y aille un jour, mais qu'on rentre dedans. Parce qu'on n'est pas rentré. Moi, j'ai été. T'es déjà allé? Moi, j'y suis jamais allé. T'es sûr de ça? J'ai jamais mis les pattes sur chez Auto World. T'es sûr? Jamais. Ouais, j'y suis jamais allé, vraiment. Kaline sur Twitch. Ouais, ça doit être une meuf bien construite, hein? Ouais. Hein, bon. Et alors, on avait été donc au musée Auto World à Bruxelles. Il est incroyable. Enfin, moi, j'avais été. Mais j'y suis jamais allé. Il est ouf, ce musée. J'ai entendu dire que c'était vraiment bien, mais je suis jamais rentré parce qu'il faut payer, donc. Alors, petite anecdote sur ça, d'ailleurs. Petite anecdote sur ça, c'est qu'en fait, quand j'avais dû aller à Bruxelles, j'avais acheté mes places pour le musée Auto World, et après, donc, j'avais été. Mais j'ai eu une galère sur l'achat des places. Genre, je sais plus ce qu'il y a eu, je sais plus si j'avais choisi les mauvaises places, ou si il y avait eu un problème avec ma commande. Ouais, mais alors, de toute façon, les Belges, on a tout le temps des emmerdes avec eux. Ouais. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on côtoie les Belges, il y a toujours un truc qui va pas. Pourtant, on les aime bien, hein, mais... Et puis alors, ouais, on a failli rater notre train en repartant. On l'a raté. On l'a raté, tu te rappelles, ouais, c'était le TGV. Attendu... Ouais, non, il n'y avait pas un accident, tout ça. Non, c'était pas ça. Hein. Non, c'était ça un autre coup. Mais de toute façon, plusieurs fois qu'on a été en Belgique en train, on a raté notre train en fait en repartant parce qu'on avait trop la confiance. Ah si, je crois que je me rappelle. Ah ouais. Putain, si je ah, me oui, rappelle. On est monté dans le train. Tu te rappelles, on courait dans les stations de métro. Non, oui, il y avait un truc comme ça. On est monté dans un train, on n'avait pas de ticket. Et toi, en fait, elle avait voulu contrôler tes tickets, la contrôleuse dans le train. Ouais. Et puis elle avait limite dit qu'on faisait chier, qu'on était des Français. Ouais, non, parce qu'en fait, on avait acheté à la dernière minute, du coup, vu qu'on avait raté notre TGV, on avait été sur l'application Oui SNCF pour racheter des tickets, mais c'est des billets numériques. Et donc en Belgique, les billets numériques, apparemment, ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est. Donc on avait des billets numériques pour faire un Bruxelles-Tourcoing. Qu'est-ce que c'était le train? Je me rappelle plus. Mais c'était un train régional, et en fait, il faisait passer la frontière en France et tout. La RTBF, ils sont forts, hein. Ils sont très forts, la RTBF. Hein.
On a de la concurrence. Ils sont très très forts. Mais j'aime beaucoup les RTBF aussi. J'aime beaucoup. Ils sont très forts. Très 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 forts. Et alors, donc on avait acheté des billets sur l'application Oui SNCF. C'était des billets numériques. Et en fait, bah la... Seb en a fait une vidéo, il grogne. Quoi? Et donc on avait acheté des billets sur Oui SNCF. Je répète 5 fois la même chose. Et bah en fait la dame qui contrôlait les tickets dans le train comprenait pas qu'on ait pu acheter des billets numériques sur l'application Oui SNCF. Il y avait un numéro de dossier, tout ça. Cette dame, pas foutue de vérifier avec le numéro de dossier que ça existait, etc. Elle voulait des billets papier, elle voulait... bref, tout un truc. Et donc, elle a fini par lâcher le morceau au bout de 5 minutes. Parce qu'elle avait autre chose à faire de sa journée. Hein. Donc, mais en gros, il faudrait qu'on ait des billets papier. Et sur l'application Oui SNCF, c'était bien indiqué. Oui, vous achetez ces billets, mais en gros, il faut les imprimer au bout d'un moment. J'y vais, mais il faut les imprimer en France. En gros, quand on est rentré, bah ça sert à rien. Bah ouais. C'était ça, on était en Belgique, on revenait en France, il fallait imprimer les billets en France pour qu'ils soient valables. Mais ça servait à rien, puisque quand on était arrivé en France, on était rentré. On avait essayé, sachant ça, il me semble qu'on avait essayé à une gare en Belgique, bah la gare de Bruxelles peut-être. À Bruxelles, on avait essayé d'acheter des billets. À un guichet international, On comprenait pas, et il sépare en fait le réseau national et international, là où en France tout est regroupé. Il y a SNCB normal et SNCB international. Et SNCB international, c'est là où tu peux avoir les billets pour aller en France, au Luxembourg, et toutes les autres destinations que la Belgique. Et en fait, le bureau international à l'époque, ça faisait la queue. Et donc, on n'avait pas à rentrer. Du coup, il y avait des bornes, je crois. Il y avait des bornes, ou non, c'était à l'intérieur, je crois. Ouais, en fait, il y a eu une couille, on s'est pas emmerdé. Il y avait du monde, il y avait beaucoup trop de monde. Je crois qu'on s'était dit, il y a un autre TGV qui arrive, mais on va avoir du mal à l'attraper parce que ça faisait la queue au bureau. Donc, dans l'immédiat, on a acheté des places à la Wallagen, on a grimpé dans le train qui est passé, puis le premier train, qui est passé, puis voilà, quoi. Voilà. Et au final, on est quand même rentré. Ça a gueulé un petit peu, mais on est quand même réussi à rentrer, puis bah voilà, fin de l'histoire, quoi. Après, bon, il y a d'autres histoires, mais c'est du. On a été plein de fois à Bruxelles. Moi, j'ai fait tout, hein. J'ai fait Bruxelles, Londres, Londres en Angleterre, j'ai 4-5 fois, moi, j'y suis allé. C'est un anglais, maintenant. C'est un anglais, quoi. Mais... Non, qu'est-ce que c'est que cette merde? Hein? Donc voilà, c'était ça, c'était le POC Tour. Et alors, attends, faut que je te retrouve. Donc, on avait été à la gare. C'était et là, voilà, joli, tu vois. On est arrivé ici. Regarde, voilà. C'est là où on avait pris le métro. Et paf! Ça, en fait, voilà, c'est la station Schumann, je m'en rappelle. C'est la station... vous voyez rien à l'écran, en fait. Qu'est-ce que je suis con. Hop là. Tac. Voilà. Ça, voilà. La station de métro Schumann. On avait dû prendre le métro pour arriver à l'endroit où on voulait. Schumann. Et là, en fait, c'est la station qui est sous le Parlement européen. D'où les panneaux avec le logo de l'Union européenne, en fait. Tout simplement. Donc là, voilà, le petit truc... Do you speak English? No. Et le Parlement européen. Enfin, la Commission européenne. Voilà, on était devant, là, en fait. Hein. Faut faire attention, c'est pas pareil. Hein. La Commission et le Parlement, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Mais là, on était devant le bâtiment de la Commission européenne. Voilà. C'est écrit dessus. Là, d'ailleurs, ou pas loin, il y avait eu les attentats. Hein, ouais. Pas loin. Le parc du cinquantenaire. Les pigeons. Les pigeons. Bon, potentiellement, c'est pas très... Hop, j'avance, hein. Je passe un peu. Là, je tournais à la GoPro, on n'entendait que dalle. Bon, là, vous entendez rien, c'est normal, j'ai pas mis le son. Là, j'avais fait un petit plan. Et voilà. Et là, c'était le bordel, il y avait déjà des bagnoles qui étaient arrivées derrière et tout. Ça commençait à être un peu le chambard, il y avait déjà de la musique. De la musique à fond de balle et tout. Et il y avait déjà, hop, ici. Ça, c'est le Pogou. Alors, c'est le kangou de Pog. Vous voyagez mal, je trouve une vidéo de Seb, on part à Paris et on se perd. Et en fait, là, voilà, c'est le Pogou. En fait, c'est un Renault Kangoo 2, couleur or, avec une carto et tout le bazar que Pog il s'est fait faire. Et c'est sur ce Kangoo-là qu'il a fusionné le catalyseur, le FAP, en allant, je sais plus, à Monaco, un truc comme ça. Ouais, il a tout cassé, c'est le tableau de bord qui a pris feu. Et là, le bâtiment que vous voyez, bah, c'est là derrière. En fait, il faut faire le tour, il me semble. C'est là derrière que vous avez, ou là en fait, que vous avez le musée Auto World. Là, le truc là qu'on voit derrière, ici, là, l'arche au-dessus, là, c'est ça. C'est le musée Auto World. Je suis jamais rentré, vraiment.
J'y suis jamais. Et c'est génial. Alors je vais essayer de passer où on est. Voilà. Là on est plus proche du pogou. Regardez. Niveau cher celui-là. Niveau cher, ouais. C'est celui où il a cramé aussi le Komodo des Sulas. Il a pris feu, il a dû. Ouais, c'est ça que je disais. Non, toujours vous n'avez pas le son, hein. Je précise, c'est normal. Mais voilà, là j'ai indiqué effectivement que c'était là où il y avait le trou où ça avait cramé. Voilà. Et voilà, donc il y avait une voiture derrière qui mettait de la musique. Voilà. Par contre, et... ouais, t'as libre, le gars. J'avais un délire. Hein. Et là, hop, on va avancer un peu. Là, voilà, les voitures de Pog. Ça, c'est sa RS6. Et là, toutes les belles bagnoles, là. Regarde-moi ça, DBM. DBM. Voilà, bon, là, j'explique aussi, blablabla, voilà. Où est l'arrivée de Pog? Ah, là. Là, ouais. Ah, grosse ambiance. Hein, grosse ambiance. Ouais. Alors, attendez, je vais vous mettre le son, cette fois-ci. Hop, je vous mets le son, cette fois-ci. Bam. Alors, c'est filmé à la GoPro, donc on n'entend pas bien le son, je suis désolé. Hop. C'était le début du convoi et là il est arrivé derrière. Encore une fois, filmé à la GoPro, on n'entend pas bien. Je crois que c'est là qu'il arrive. Ouais, c'est ce passage là, là il y a les premières autos qui arrivent. Regarde, sa Mustang, et là ça commence à être le bordel. Le pogvoi, il l'a plus, il l'a cassé. Et là, il arrive. Et là, c'est lui qui arrive. Là, debout sur la voiture, là, regardez. C'est lui, là, c'est Pog. Avec sa. C'est la. Je sais plus, la Pogini, je crois que c'est celle-là. Il a failli se casser la gueule, en fait, parce que. Il fait tout le temps ça sur ses voitures, mais. Je m'étais fait chier à faire du tracking, regarde. Regarde ça. Bon, là, on était trop loin pour aller le saluer. Bah, on était quand même assez près, hein. Une Menem 5. Il y a quoi? Il y a 3-4 rangées de gens devant nous, mais c'est tout. C'est une Menem 5. Une Menem 5. Il s'en bat les couilles. Il s'en branle. Bon, voilà. Après, il n'y a plus forcément d'autres choses intéressantes. Ouais, c'était ces voitures. Pas et mal tout. De belles bagnoles et ouais. Tout. Après, bon, pareil, c'est des trucs sponsorisés, tout ça. Mais bien sûr. Qui fait ça tout seul. Il y a des marques derrière qui ont poussé pour qu'ils le fassent. C'est ça. Donc voilà. Amandine dans le serveur, très très bien. Salut les gens, salut tout le monde. Bon bah écoutez, voilà, on a parlé un peu de ce que je voulais faire. On a vu quelques vidéos, quelques 2-3 des anciennes vidéos là. Tiens, tout à l'heure que tu disais que comment vous voyagez mal, je trouve une vidéo de Seb, on part à Paris, on se perd. Je vais y retourner après que tout ça se sera terminé, quand ce sera un peu calmé ces histoires de Covid. Je retournerai à Paris, mais cette fois-ci je voudrais me farcir le sommet du sommet du sommet de la Tour Eiffel. Vraiment, genre tout en haut, dernier étage, il n'y a pas plus haut quoi. Ah, ça serait bien ça. Ça serait bien. Ça serait donc, bien. Voilà. Bon, allez, écoutez. Le vlog de la fête nationale, ah, c'était pas mal ouais. Chez Seb. Il y a une époque où on essayait de faire des vlogs. Bien. En fait, moi, j'ai arrêté d'en faire parce que. C'est. Mais en fait, le souci du vlog, c'est qu'il faut avoir des trucs à faire, justement. Ouais. Faut avoir... Et nous, on n'a pas une vie trépignante. Hein, c'est-à-dire que là, faudra visiter France Télévisions aussi. Arrête de ruer le en fait, dans la plaie. Le souci de France Télévisions qu'il y a, c'est que depuis quelques années, il faut s'inscrire. Et les places sont limitées. Avant, tout le monde pouvait rentrer, faire visiter et on sortait. Maintenant, il y a une inscription à faire, il y a un nombre de places limité à cause notamment des attentats, ils ont été dire ça. Moi, je trouve que c'est con parce que France Télévisions, ça appartient à tout le monde, c'est le service public. Donc tout le monde pourrait avoir le droit de rentrer et de sortir à longueur d'année. D'accord? Voilà. Il devrait y avoir des visites à longueur d'année, tous les jours. Il devrait y avoir des gens qui sont payés pour faire des visites parce que ça appartient à tout le monde. C'est une des maisons de tous les Français. C'est France Télévisions. Radio France, ça doit être pareil. La maison de la radio à Paris, eh ben ça devrait être pareil. Ça devrait être tous les jours ouvert au public parce que ça appartient au public, ça appartient à tous les Français. Ben non, c'est fermé. Alors, il y a des raisons de sécurité, je suis bien d'accord, mais à ce moment-là, est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu d'argent pour payer des gens, des guides, en fait? Tu vois? Bah non. Ouais, je sais pas. Les locaux de France 3 Nord, bah pareil, ouais, pourtant on habite pas loin, mais. Ouais, c'est pas. Je crois qu'ils en font de temps en temps des visites. Mais de toute façon, là c'est mort avec. Ouais. Avec ce qui se passe, on fera plus jamais rien. Passer par Nanterre à la Défense, on se croirait à New York. Ouais, pas mal. Ouais, le quartier des affaires. Ouais, à Nanterre. Quartier des affaires. Si, c'est là où il y a tous les immeubles et tout.
Voilà, et eh ben écoutez, on a parlé voyage, on a parlé plein de trucs, c'est pas mal déjà. Moi, tout ce que je retiens de ces 10 ans de ces 10 ans de YouTube, si on doit faire un bilan, c'est une très belle aventure. C'est une belle aventure. Je regrette rien globalement. On a un peu chié, on a un peu galéré. On a un peu galéré parfois, mais franchement, en globalité, on a fait des trucs qu'on n'aurait peut-être jamais fait si on n'avait pas fait YouTube, en fait. Voilà, donc en globalité, c'est 10 ans passés sur YouTube, parce que en fin de compte, moi aussi, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Mais j'ai changé de chaîne, j'ai changé de nom, tout ça. Globalement, ce que j'ai en tiré de tout ça, c'est... Bah c'est cool en fait, ça partait sur un coup de tête, à la base c'est ça. Et là aujourd'hui on se retrouve comme ça à faire des lives, à faire des trucs avec une petite communauté qui nous soutient, qui nous suit. Et ça, il y a 10 ans, j'y aurais absolument jamais pensé. Non. On m'aurait dit ça, dans 10 ans, t'auras des gens qui vont te soutenir, qui vont te suivre, qui vont être dans ton délire en fait. On m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais jamais cru. C'est ça. J'aurais jamais cru. C'est ouf. Hein. Et là, 10 ans plus tard, bah voilà. Ouais. On a peut-être pas beaucoup de monde. D'ailleurs, je vous remercie encore une fois pour les 1000 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. Je l'avais dit, les 10 ans, on sera à 1000 abonnés. Équilibre parfait. Merci, au revoir, je peux tout fermer. Je vous donne les clés en passant, hein, tenez, faites-en bon usage. Mais ça fait, c'est ouf, les 10 ans et en même temps les 1000 abonnés. Donc c'est très bien, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là pendant ce long live. Longue vie à je sais pas qui, parce que je sais d'ailleurs pas si je vais avoir encore une longue vie. Avec cette chaîne, je parle. Hein. Je veux dire, voilà. Bah, longue vie à toi, longue vie à tout le monde. Hein. Et c'est ça. Tac, petit passage, bim, par la chaîne. Siami, c'est comme ça que ça s'appelle sur YouTube. On est maintenant à 1K, c'est marqué 1K en dessous. 10 ans après, le mec, enfin, il a le truc 1K qui s'affiche. N'importe où. C'était d'une longueur, mais d'une longueur, putain. Une phrase ou un mot pour terminer le live? Oui. Mot. Alors, ah oui, voilà, il y avait... T'as bien fait de reposer ta question, regarde. T'as une question pour toi? Ah. Au fait, pour l'employé d'Edouard... Donc c'est toi. C'est moi. Salut. Quelle voiture de client t'a le plus marqué au drive de Leclerc? Quelle voiture m'a le plus marqué? Alors, de temps en temps, au drive, on a des Tesla qui arrivent. Une Tesla Model 3, il y a un gars qui a une Tesla Model 3 qui vient faire ses courses au drive. Donc quand je le vois arriver, je t'avoue que je regarde un peu. Ouais. Mais une fois, on a eu une espèce de... Alors là, récemment, on a eu une deux chevaux refaite. Ouais, le mec est venu en deux chevaux faire ses courses. Ouais. C'est beau, hein, franchement. Une deux chevaux entièrement refaite. J'ai failli lui poser une question, justement, à propos de sa deux chevaux, mais on est heureux. Hein, c'est pas le timing, hein, les gars. Il y avait du monde, en plus. Hein. Donc, j'ai failli lui poser une question sur sa deux chevaux. Petite deux chevaux, tip top, vraiment toute refaite, la peinture hyper belle et tout. Et donc une Tesla, une deux chevaux, et on a eu aussi des Mustangs. On a des gens qui s'amenaient avec des Mustangs au drive, pareil. Ou des espèces de petits roadsters, je sais pas comment t'expliquer ça, les trucs, il n'y a pas de capote dessus, avec des gros pneus qui font un bruit infernal. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire là. Comment expliquer? Je vais pas t'aider. Comment expliquer? Je sais pas, des espèces de... Je crois voir à peu près des espèces de petits roadsters sans capote avec des pneus assez massifs là. C'est assez rat de sol aussi. Les mecs venaient avec ça faire leurs courses quoi. Bon après on a le traditionnel, on a une cliente anglaise qui tient une boutique en Angleterre qui fait ses courses au drive parce que c'est moins cher. Ça aussi. Elle vient avec un camion, elle fait pour 1000 €. Même plus que ça de courses, il y en a pour plus de 1000 articles. C'est décomposé en 3, 4, 5 commandes. Ça fait des rangées de chariots dans le drive. L'autre fois, elle est venue, je te jure, on a mis 3 heures à la charger. Putain. Il y avait même le roulement, le changement de poste. Bah, on a fait avec le changement de poste, mec. Bah. Moi, je suis parti, il y a quelqu'un qui a pris le relais derrière. C'est une infamie. Elle mettait tout dans des caisses. Alors des anecdotes croustillantes avec certains clients, avec certains clients. Alors je parle pas beaucoup avec les clients. Je te dis, non, il y a pas vraiment d'anecdotes avec les clients. Voilà.
Maintenant, bon, par exemple, on a une personne, la malheureuse, mais on a une personne qui vient faire ses courses en drive et malheureusement, cette personne-là a beaucoup de mal à parler. En fait, quand il veut sortir un son de sa bouche, il doit faire un truc avec sa gorge. C'est assez perturbant. Ouais, et quand il parle, c'est pas du tout une voix qu'il porte. Et c'est un vieux truc un peu enroué. Ah, c'est perturbant. On a aussi des clients, j'ai même envie de dire heureusement qu'ils sont là. On a eu un client sourd. Client sourd qui est venu. Mais j'ai pas vraiment d'anecdotes croustillantes comme tu t'attends à voir des trucs genre oh, putain super. Ouais. Non, c'est ça par contre, c'est un truc. Je t'avoue que les clients, en fait, chez nous, c'est un peu. Ils viennent, ils repartent. Hein. Voilà. Ouais. On fait simple. On les fait pas traîner. Surtout que là, on a du monde en fait. Et pour t'expliquer. En ce moment, la situation là où je travaille, le Clear Drive, là où je travaille, le responsable s'est barré. Tous les responsables, il n'y a plus de responsables, ça fait 15 jours, il n'y a plus de responsables. Il y a la moitié de l'effectif qui est à l'arrêt. On est 40 personnes au drive, on est 20, en fait, maintenant, on est même pas une vingtaine. Et tout ça, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, la direction générale de notre franchise à nous, c'est parce que c'est franchisé, hein, le Clear, hein, je te rappelle. C'est des petits franchisés partout en France. Le patron de notre franchise, en fait, nous a littéralement niqué, mais niqué en toute puissance. Il y a eu une réunion avec les responsables, il voulait pas embaucher, mais il fait comme... il veut qu'on fasse de la cadence à fond la caisse. En gros, qu'on... Ah, c'est un peu comme partout. Hein. Ouais, mais enfin, je suis désolé, là, il y a eu la Covid, ils ont gagné masse d'argent, tout ce qu'ils ont su faire, c'est installer un plasma 107 cm à écran tactile qui marche jamais, installer une machine à café qu'ils ont récupérée aux poubelles. C'est pour ça il y a de l'argent, mais pour embaucher des salariés pour nous aider et tout, il y a absolument personne. Voilà. Et ouais. Et là en fait en ce moment la stratégie c'est bah il y a la moitié de l'effectif qui est en arrêt, ouais, bah démerdez-vous. Putain, quelle bande vous de vous bâtard. Démerdez. Quelle bande de chiens de la casse. Là ce week-end, là vendredi ou samedi, ils ont téléphoné au magasin. En fait on dépend d'un magasin Leclerc qui est là-bas le siège de la franchise hein, dans les bureaux. On les appelle pour avoir du renfort. Ils nous disent oui, on va vous envoyer des personnes en renfort. Ils nous envoient 3-4 personnes en renfort, très bien. Ces personnes-là restent une heure. Au bout d'une heure, la direction là-bas, ils rappellent. Ah non, 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 on veut récupérer les gens. Et nous, on dit bah non, ça peut être possible. Et là, ils nous font, ouais, mais il y a du boulot au magasin. Un air de dire, au drive, vous avez intérêt de saquer votre douille, quoi. Vous foutez rien au drive et dépêchez-vous, quoi. Et donc en gros c'est plein de trucs comme ça, on est très en froid en ce moment avec la direction générale, et comme je te dis, il y a la moitié de l'effectif qui est en arrêt, donc c'est une galère en ce moment, c'est vraiment une galère. C'est tendu. Je vais voir le jour où les responsables reviennent, c'est tenté qu'ils reviennent. S'ils reviennent, je crois que ça va pas être la fête à la saucisse, hein, vraiment. Donc on se met tous à carreau là, en ce moment parce que c'est, ah, tu parles. C'est tendu. Ouais, mec, voilà, donc, vous donner des nouvelles de mon travail, évidemment. Des nouvelles de moi, il va dire. Connard. Bon, allez, dernier petit passage pour vous dire les réseaux sociaux de la chaîne qui sont là ici. Vous n'avez plus qu'à les recopier. Facebook, Instagram, Twitter, allez-y. Ah ouais, non, mais j'attends. Allez-y. Allez-y, maintenant. Faites un pré-écran. Bah non, ah ouais, faites un pré-écran système. Ah, mais c'est quoi ton Facebook, ton Instagram, ton Twitter? Ah, c'est écrit, vas-y. Là, t'es en train de les engueuler un peu. Tu sais que c'est pas terrible. Il y a qu'un truc, c'est qu'en 10 ans, il a pas changé. Non. Mais c'est pire. Donc allez-y, ouais, Facebook, Instagram, Twitter. Bon, tout ce qui est Discord, etc. Je t'avouerai que je vais pas le laisser. Genre là, le Discord, c'était juste effectivement un test pour les 10 ans. C'est exceptionnel. Je vais pas le garder. Et donc ce thème là avec les trucs bleus comme ça, rouges, ça va jarter parce que bah, ça va jarter, il y a autre chose. Voilà. Nouvelle police et tout, hein, truc. Ouais. Nouvelle écriture, tout ça, ouais. Là, c'est quoi ton Discord? Non, ça va aller. Ça y est, c'est terminé. Non, c'est terminé. Je me suis déconnecté. Bah, à mon tour, si je devais donner une phrase, un mot pour terminer le live là. Bah ça va être une phrase très courte que j'ai l'habitude de dire et que je vais répéter à propos de ça justement. Et cette petite phrase c'est quelle belle aventure. Voilà. Quelle belle aventure. Pour résumer tout ça, quelle belle aventure. C'est ça. Clairement. Incroyable. Hein. Si on nous avait dit ça à l'époque. C'est incroyable. C'est dingue.
Mais bon, c'est comme toujours, t'as faim, et bah va bouffer, vas-y, allez, c'est parti. Mais voilà, ouais, donc c'est ça qui est ouf, alors après, je sais pas combien de temps je vais encore continuer, on verra ça. Il y a peut-être des idées pour ma chaîne aussi. La petite idée des triangles, pour le design de la chaîne. Je vais lui piquer son idée, pourvu qu'il mette pas des copyrights dessus, sinon je vais me faire enculer. Tu me disais quelque chose? Ah, j'ai pas bien entendu. Ah merde, j'ai pas vu. Tu veux virer le rond, tu arrives au tu fais des triangles. Non, non, mais ouais, bah c'est ce que vous avez vu au tout début. Là, vous allez le revoir à la fin. Le petit jingle là, que j'ai fait. Voilà. Bah écoutez, merci bien, d'avoir. Ça les rend dingue de faire ça. Ouais. Merci. Illuminati. Bon. Merci. Mais ça n'existe pas, c'est comme Dieu. C'est des vent. Conneries, dégagez-moi ça. Faut arrêter les conneries, non? Oh là là. Allez, dégagez. Si Dieu existe, je veux prendre rendez-vous avec lui et qu'il vienne me voir. Eh ben, ça n'arrivera jamais, j'en suis certain. Incroyable. Allez, messieurs, dames, une très bonne fin d'après-midi, un bon début de soirée à vous tous. Au revoir, comme dirait Giscard. C'est ça. Et voilà, c'est ouf, quoi. Ça fait 10 ans et là, on est à 1000 abonnés. Et puis, bah, merci, quoi. Voilà. Ça fait plaisir. Soyez toujours, restez comme vous êtes, quoi. Il y aura tout le temps des détraqueurs, c'est normal. Et. Oula, ça, fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Il y a un moment quand tu te mets comme ça, personnalité publique sur Internet, quand tu t'avances comme ça sur la place publique, mais sur Internet, il y a toujours des gens qui sont contre toi et c'est normal. Voilà. Hein. Voilà comment je vais terminer ce live. Parce que là, je dis au revoir à tout le monde, mais en fait, au revoir à tout le monde. Et retenez une chose. Moi, j'ai fait YouTube, je me suis lancé dans YouTube. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, alors soit c'est juste la vieillesse qui fait que, ou quoi. Mais en fait, je me rends compte que... parce que moi, à l'époque, j'étais un grand timide. J'étais quand même pas mal timide. Et c'est ce que je dirais tout le temps. Ça m'a aidé à... Ça m'a aussi aidé un petit peu à... Tu vois. On ne dit plus... J'ai un bel appart. On dit... J'ai dans la rue Napoléon un bon appart. Non, mais tu vois, Ça m'a vraiment aidé à, tu vois, à surmonter ça. Et aujourd'hui, ouais, timide, si, encore un peu. Tu vois. Y a-t-il des gens qui vous reconnaissent dans la rue? Pas du tout. Non. C'est ça qui est bien avec notre communauté, c'est qu'on est tranquille. Et... Ouais, genre, ouais, tu vas dans la rue, d'un coup, toi, t'es machin. Non, non, non. On n'est pas encore connu à ce point. Je dirais même, en fait, moi, j'ai du mal à en parler que je fais YouTube. J'en parle pas, mais en fait, c'est toujours ça qu'on a eu un petit problème avec YouTube, c'est qu'on a un petit peu de mal à en parler autour de nous. Mmh. Alors, j'assume pas, c'est bizarre. Alors qu'en fait, bon, voilà. Mais donc voilà, moi, ça m'a bien aidé, moi, personnellement, je trouve, pour ça. Je suis plus à l'aise dans ma discussion, etc. Voilà. Donc. Voilà, c'est tout, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Et voilà. Non, ça m'a bien aidé. Et aujourd'hui, voilà. Je suis ce que je suis. Et je fais ce que je fais. Aujourd'hui. Et je sais ce que je fais. Bien sûr, bien entendu. Allez, 17h30, je me casse. Passez un bon week-end. Restez bien confinés. Si on vous dit d'être confinés, c'est très important. C'est hyper important. Et viva Espagnol, je sais pas pourquoi je dis ça, mais. Viva Espagnol, lol. Voilà, hein. À la semaine prochaine, dimanche prochain, 18h. Seb, c'est quand? Alors pour l'instant, ça reste comme ça. Hein. C'est une vidéo tous les dimanches à 11h, vidéo enregistrée. Et un live pour l'instant que je fais en même temps, donc un live aussi le dimanche à 11h. Je vais peut-être rechanger l'heure du live. Mais c'est à l'étude, je vous dirai, de toute façon je vous tiendrai au courant. Donc tout est à moi, vous me voyez tous les dimanches à 11h. Voilà, faites comme ça, faites simple. Ouais. Dimanche 11h, vous me cherchez. D'accord? Vous me cherchez, je suis peut-être en live, je suis peut-être en vidéo enregistrée, mais je suis quelque part. Dimanche 11h. Voilà. Ouais. Et en fait, moi ça va être pareil. Tous les dimanches à 18h, retenez ça, je suis quelque part. Cherchez. YouTube. 11h. 18h, voilà. Champion du monde à 18h, normal à 11h, ok. La bière à 18h, le normal à 11h. Bon, la bulle d'alcool est dangereuse pour la santé, faites gaffe quand même. Mais on s'en fout. Ouais, mais on s'en fout. Après tout, envoie la sauce révolutionnaire. Allez, bonne soirée, salut. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine à 11h pour Seb et à 18h pour moi, pour
Bah, la vidéo de la semaine en théorie. Quoi? J'ai pas dit de conneries, moi, c'est vrai. C'est vrai ce que je vous dis. Je dis pas que des conneries. Allez, On vous tient au courant aussi pour le déménagement. Ah oui, le déménagement qui arrive bientôt. Vous aurez une petite vidéo aussi là-dessus, un petit vlog. Vraiment. On est pressé, enfin, c'est ça. Aïe, 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 aïe. C'est cool ça. C'est très cool. Allez, on va déménager, moi. On se casse. Bonne soirée à tous. Et puis, ciao, ciao. À la semaine prochaine. Bye, les gars. Salut. Salut, merci. Hein. C'est génial. Merci. Zoom sur la tête avant la fin. Eh, ah, la miniature. Vas-y, pour la miniature. Pour la miniature. Ah, je suis pas coiffé, excusez-moi. Allez, vas-y, on fait une miniature. Non, mais la miniature, ça va être là à 10 ans, là. Le truc 10 ans, là, que j'ai mis. Enfin, si elle reste, je sais pas. Bon, pour la fin, on s'en fout. Allez, zoom sur nos têtes pour la fin. On verra.